que vous allez bien et bienvenue pour les joueurs du dimanche. Je vais voir si ça suivait. Ça suit, c'est bien. En vrai, pour dimanche, on était en avance. Ah bah là. Manche. Oh, mais comment ça va être long. Ça va être long. J'avais oublié. 4 heures. On te croit pas. J'espère que vous êtes chaud. Bienvenue à tous. Effectivement, nous sommes dimanche. Et nous sommes jeudi. Et pourtant, nous sommes dimanche. C'est ça qui est magnifique. Aujourd'hui, on va vous présenter non pas un, mais deux jeux de société. Beaucoup de choses à voir ensemble. Et pour m'accompagner dans la présentation de ces jeux, je suis avec Bastien. Comment ça va, Bastien? Ça va bien, comme quelqu'un qui a mis 1h20 de voiture pour venir. Parce qu'on adore les bouchons. C'est vrai que c'est ma méta. Ah ben, c'est le combo. J'achète une maison dans le trou du cul du monde. Oula. Plus, je viens proche de Paris à 18h. Aux heures de pointe. Ah ben oui, c'est dur de dire le trou du cul du monde. C'est pas si loin, quand même. Ah, je suis allé à Sacré Manière il y a quelques jours. Ouais. Tu confirmes ? La maison est très cool. Ouais. Il a un petit endroit pour faire du JDR. Pas mal, franchement, grand luxe. Il a un lac de baisers derrière lui. C'est trop beau. Non, franchement, t'es bien. Par contre, c'est à Arpajon. Pour aller chez lui, même pas prendre l'avion. Quoi. Donc, déjà, là, c'est relou. Quoi. Donc voilà, dis-toi, on a mis quoi ? On a mis 1 heure pour aller chez lui. D'ici ? Ouais. Ah, donc 1h20 de bouchons, ça va en fait. T'as pas eu trop de bouchons. J'exagère. On a mis 45 minutes sans aucun bouchon. Mais là, la dernière fois, j'ai mis 35 minutes de Paris. Mais toi, tu roules très vite. C'est vrai que. Ah, bah, c'est toi qui dis ça. Alors, mais parce que moi, pour aller chez lui, j'ai respecté les limites de vitesse. Ah, parce qu'à un moment donné, il y a un tronçon de route qui passe dans une longue ville, tu sais, une ville tout en longueur, Las Vegas. Tu vois. Et au moment où tu rentres, pouf, 50 km/h, il faut rester comme ça jusqu'au bout. Et moi, j'obéis parce que je ne sais pas où sont les radars. Bien, c'est bien. Quand je sais où sont les radars, c'est autre chose. Ouais, c'est moins bien. Et donc là, comme je ne savais pas, tranquille, ouais, 45 minutes. Ça va. Mais pour une fois que c'est moi qui râle, des gens qui habitent loin, c'est vrai. C'est vrai. La terre entière râle que j'habite loin parce que tout se passe chez moi. Pour une fois que je peux râler des autres, ça me fait plaisir. Tu vois que ça fait du bien de dire oui, t'es au bout de la map, machin, ça dégoûte. Ouais. Tout ça pour dire que ça va. Eh ben, et ça, c'est bien. ce monsieur est fatigué puisqu'il sort de 3 mois de travaux. Oui. Donc il en a plein le cul. Plus toute ma journée de dev, là. C'est vrai que t'es encore développeur, hein. Pourquoi ? Oui. Je sais pas, je pensais que t'aurais changé de taf. Regardez finalement. Non, tous les 6 mois, moi. Tous les 6 mois, il change de boulot et fait non, en fait, je m'ennuie. Ça aurait pu, tu vois, ça aurait c'est pu. Rien. Bref, qu'est-ce que je disais ? Ravi de t'avoir, évidemment, dans cette émission. Ça fait un petit moment que t'as pas eu. Je crois depuis Critical. Ouais, le premier. Donc, ça date, effectivement. On passe vite hein, quand on s'amuse. Ouais, bah, ça fait... En vrai, blague pas, Critical, le premier, c'est genre il y a un an. Bah ouais, oui, c'est vrai que t'es sur le premier. Ah ouais, non, franchement, ça date de ouf. Avec nous aussi, Alice. Comment ça va, Alice ? Bah écoute, ça va bien. Non, ça fait pas trop longtemps qu'on s'est vu. Ouais, ça va, ça fait pas longtemps. Mais du coup, à défaut d'être à Essen, je viens faire du JDS avec les potes. Donc, parce que tu partais aller à Essen à la base. Oui. Pourquoi foutre ? Pour un nouveau jeu. La société, elle aime bien tout ce qui est festival de jeux, c'est ça ? Ouais. On comprend pas. Ah, nous, on comprend pas. mais super, super. Mais le BDSN ? C'est quoi SN du coup ? SN, c'est un. Ouais, non, ça va. Allez, validez. C'est un salon de jeux de société en Allemagne. C'est le plus grand salon d'Europe. Ah oui. Ça faisait loin. Et en vrai, c'est peut-être même le plus grand du monde. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bref, en tout cas, c'est assez solide. Et d'ailleurs. Vous savez, Messas Paraguegos qui nous ont fait cette table, m'a envoyé un petit mail pour dire hey, on est à SN, si t'es là, viens faire coucou. Et j'étais en mode bah, avec plaisir, mais est-ce que je parle allemand ? Non. Est-ce que je viens ? Non. Voilà. Oui, mais bon, on aurait. Après, tout le monde parle anglais là-bas. En fait, ça va. Les dégos, c'est moitié-moitié. Hein. On est allé à Vichy il y a. Et, voilà, et nous, on préfère. Oui, mais vous. Vichy, l'Allemagne, on préfère Vichy. Oui, non, mais en plus, vous avez eu. On avait un choix à faire. Et vous avez eu Vichy qui est entièrement pro aussi. Donc, ah, c'était parfait pour c'est nous. Parfait. C'est nickel. C'était parfait pour nous. Mais j'ai raté un date à Essen, figure-toi. Avec qui Essen. Ah, je sais. Tu l'as ouais, bah, y a une meuf qui travaille dans l'industrie du jeu de société. Je vous dis pas qui, non, est, évidemment. Pas elle. C'est pas elle. Non. Non. Une autre. Ouais. Putain, il bosse. Lui, hein. Ah ouais, ça charbonne. Mais du coup, elle me dit t'es à Essen. Je mets pas non. Elle me dit, ah bah c'est dommage. Ah, ouais, bah, allez. Je sais pas jouer à grand chose. Fin de l'histoire. Est-ce que ça va, Rof? Moi, ça va très bien. Ça va très très bien. J'étais en retard pour d'autres raisons. Pas les bonnes, malheureusement. Ouais, devinez. Oui, mais sauf que. Une gonzesse. Ah oui, mais ça ne s'est rien passé. Donc, il était plus en colère qu'il ne se soit rien passé que le fait que je sois en retard. C'est quand même moi, fou. Je m'en fous qu'il soit en retard, mais qu'au moins. Mais parce que ça... Quitte à être adolescent.
Vas-y, quoi. Mais là, non, rien. Parce que moi, j'aime bien la strat un petit peu. Voilà, on prend notre temps. Enfin, ça dépend, en fait. Je prends la strat un petit peu de la personne à qui j'ai en face. Excuse-moi de je comprends. Quand même marcher encore en consentement. En je vais te donner un numéro, celui de Manu Ferrara. Tu vas voir que tu vas perdre moins de temps. Voilà. Hein. Allez, sur ce, on a plein de jeux à découvrir ensemble. On va commencer par de l'écologie, puisque on va... regardez, on va prendre des petites pousses d'arbres comme ça, qui vont devenir, si j'avais eu de la chatte, ça aurait été magnifique évidemment, qui vont devenir des grands arbres comme ça, et derrière les grands arbres, on va mettre des petits animaux. Et si on met les bons animaux derrière les bons arbres, eh bien on gagne plein de points de victoire. Vous connaissez les règles, je vous distribue des cartes, on est parti. C'est parti. Ça aurait été bien dit comme ça, mais elle est belle la boîte de jeu. Alors, José, si tu nous regardes. Oui. José, c'est le gars chez Asmodée à qui on passe des contrats et tout, très... C'est très sérieux quand même. C'est notre frère. Mais par contre, sur le fait de nous dire, les gars, faites une émission sur Forêt Mixte. Ouais, tu envoies la boîte de jeu. Ouais. Allez, on n'a pas la boîte, mais c'est pas grave. On a le jeu. On a les règles. on a le jeu. Et en plus, pas n'importe lequel, puisque c'est la boîte personnelle de l'ami José. Faites des bisous à José dans le chat, évidemment. Ouais, on l'embrasse. On va donc découvrir Forêt Mixte, puisque ce qui compte finalement, c'est pas la boîte du jeu. La boîte du jeu, regardez, je vais vous la montrer, comme ça, on se fait plus chier avec ça. Vous êtes prêts? Hop, bonjour, le plan vu du dessus. Attention, à quoi ça ressemble Forêt Mixte? Hop, la boîte. Voilà. Sur le site de Play-in, vous pouvez l'acheter, ça coûte 26 balles. C'est pas encore sorti. Vous pouvez déjà le précommander. Normalement, j'ai déjà prévenu Play-in qu'on allait faire cette émission. Donc, le code fonctionne déjà. Le code, je vous le rappelle, c'est dimanche pour avoir moins 10% sur votre panier, pourvu que dedans, il y ait au moins un jeu qu'on ait fait dans les joueurs du dimanche. Ça ne marche que sur les jeux de société. Forêt Mixte, que vous voyez donc ici, est un jeu. Alors, attends, ils disent quoi sur Play-in? Ils disent que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, environ une heure à partir de 10 ans, en français, avec des animaux, de la nature, de la collection, des combinaisons et jeux de stratégie. J'ai rien à ajouter, ils ont... C'est ça. Ça fait quand même une sacrée longue partie à partir de 10 ans, quand même. Ah oui. Elle était bonne, ça, j'aime bien. C'est pas mal. Alors, on va jouer à ça, hein, pendant toute la session avec Bastien. Il va faire des vannes, puis à chaque fois, on va valider ou invalider la vanne. Ouais, pour l'instant, ça va. Ouais. Juste, il y a un truc qui va pas, c'est qu'il a la même couleur que moi, et ça monte. Ouais. C'est vrai. Plus je vais faire des vannes, et moins il y aura d'eau, quoi. Et bah, puisque t'es ouvert ta gueule, tu vas avoir une autre couleur, mon bon. Non, moi, je veux le garder le bleu. Ah bah non, non. J'ai juste dit que lui, laisse mon bleu, là. Dommage, madame. Je vais mettre en rose dégueulasse, je vais te mettre. Voilà, c'est ça, c'est marrant. Voilà. T'as de la chance que je suis inclusif. Play, t'as quelque chose contre le rose? Absolument pas. C'est violet en plus. Par contre, contre les meufs. T'es dans le. T'as un problème contre les meufs. Je voulais le mettre dans la sauce en mode. Non, en plus, ça me va très bien. Tu fais la manif pour tous, c'est ça? Ça me va très bien. Un papa, une maman. Ça me va très très bien, puisqu'hier j'étais au Passage du Désir. Ma carrière d'influenceur sexo commence ici. Et c'est leur DA. Et ils m'ont passé des petits accessoires, j'en parlerai plus tard. Bref, c'était sympathique. Vraiment, ça sera complètement d'autres lives, dans une autre ambiance. On allongera des gens sur la table, on leur fera des tests et tout. Pas sur la incroyable. Même chaîne non plus. Hop, on sait pas. On sait pas. Le jour où Twitch évoluera, finalement, il y a déjà presque pire que ça. Donc, ils sont pas à ça près. Maintenant que les termes sont dits, en plus, je sais qu'ils nous regardent actuellement. Donc je pense qu'elle prend ses petites balles depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ah ouais? Ouais, je pense. Je sais pas, je crois qu'il y a autre chose à foutre. Allez, non, mais on se fait des privés de jokes, c'est catastrophique cette émission. Ouais, rien compris. Forêt Mixte. Allez. Voilà le jeu. Ah ouais, alors. Forêt Mixte. Quoi? Ouais, moi je vois autre chose. Alors, bon, ça d'accord. Forêt Mixte. J'avais, tu sais, mis l'hiver. Ah putain, j'ai pas mélangé. J'ai pas mélangé. Tu veux qu'on mélange? Ah, t'avais fait des paquets et tout? Bah, non, mais j'avais fait un paquet, fallait pas de trucs. C'est quoi, touche, et puis je refais l'hiver. Vas-y, c'est plus simple. Ouais, c'est on va, en plus, c'est bien, on montrera comment ça fait. Vous allez voir que la mise en place est simple. Oh, c'est simple de ouf. Mais tu vois, le paquet, il est là, je l'ai pas mélangé. Oui, et du coup, l'autre hiver, il est où? Bah, il est pas loin. Tu vois, il est pas loin, je t'avais dit. Bon, qu'est-ce que je disais? Forêt Mixte, c'est un jeu d'une simplicité exceptionnelle. C'est-à-dire que pendant votre tour, vous n'avez que deux choix. Choix numéro 1, vous pouvez piocher deux cartes. Soit vous pouvez prendre ces cartes sur le dessus de la pioche, soit vous pouvez prendre ces cartes dans la clairière. La clairière, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est en train de constituer Ophélos ici. En gros, c'est la table. D'accord. Sur la table, on va... Alors normalement, il y a un plateau de jeu, hein, mais nous, on l'a pas parce qu'on n'a pas la boîte. Bon, calmez-vous. On est rendu schlagos. Hein, voilà. Bon, en gros, la clairière va ressembler à un truc comme ça. Et la clairière, il y a entre 0 et 10 cartes dedans. D'accord. Donc par exemple, ça va être ça. Et puis là, tu vas dire, ah ok, je veux ça. Et puis j'en prends une du dessus de la pioche. Hop, t'as pris tes deux cartes. Enfin, donc en fait, quand je dis vous prenez deux cartes, vous prenez toujours une carte après l'autre.
Et vous pouvez prendre les deux depuis la clairière, vous pouvez prendre les deux depuis le paquet, ou vous pouvez panacher votre choix. Ok ? Mais est-ce que ça le paquet ou les paquets ? Ça ne refile pas, je vais expliquer pourquoi juste après. Il n'y aura qu'un seul paquet. D'accord. T'inquiète pas, là c'est juste pour le... Le fun. Tiens, regarde, pour que vous ne vous stressiez pas, voilà, je vous mets le setup original. Donc, voilà un peu à quoi ça va ressembler. Maintenant que vous avez fait votre premier choix, à savoir piocher. Ça revient à vous. Vous avez donc la possibilité de faire ce deuxième choix de jeu, qui est le suivant, qui est de poser une carte. Mmh. Pour poser une carte, c'est très simple. Zoom, explication. Bonjour, bienvenue sur mon tableau de jeu. Vous avez devant vous une cave. Pour le moment, elle ne sert à rien. Parfois, certaines cartes vous diront de mettre des cartes à la cave. Bon, la cave, je dis la cave, c'est en anglais, évidemment. C'est la grotte. Cave, c'est une grotte. Ah, le grotte. C'est une petite caverne. Et donc, cette grotte, ouais, parfois, il va y avoir des cartes dedans. Chaque carte qui est dans la grotte, c'est un point de victoire. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Une des manières de gagner des points de victoire, c'est évidemment de mettre des cartes dans la grotte avec certaines cartes qui vous le permettent. Mais plein, ouais. C'est vraiment pas le meilleur moyen de gagner des points de victoire. Comment on pose une carte ? D'abord, on va poser des arbres. C'est très important, c'est la base de votre forêt. Parce que ce qui va vous permettre de marquer des points de victoire, c'est l'ensemble des cartes qui se trouve devant vous. Et l'ensemble des cartes qui se trouvent devant vous, c'est votre forêt. Votre forêt est constituée d'arbres. Et dans vos arbres, il y a des animaux. Il y a différents types de cartes. Attention, je présente. Premier type de carte, les arbres. Bon, l'arbre, rien de très complexe. Je veux bien que tu fasses une petite mise au point, merci. Rien de très complexe sur les arbres. Au moment où vous la jouez, vous allez... payer le coût de la carte qui est en haut à gauche. Okay. Ici, vous devez payer deux cartes. Donc, vous devez défausser deux cartes de votre main pour pouvoir jouer cet arbre. Puis, vous posez cet arbre. Fin de votre tour, c'est au joueur suivant. Jusqu'ici, pas très compliqué. Cet arbre, il dit quoi ? Cet arbre, il dit que vous gagnez 5 points de victoire à la fin de la partie et les petites jumelles que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un bonus. D'accord ? Donc, ça, c'est un effet. Ah, c'est ça, des jumelles. C'est un bonus. Hausse des jumelles. Eh bien, pour avoir les bonus, il faut payer le coût de la carte avec des cartes de la même couleur. Ici, bleu ciel. Mmh. Est-ce que j'ai des cartes bleu ciel ici ? Non ! Vous avez donc le seum. Mais là, j'en ai une, par exemple. Imaginons, j'avais ces deux cartes dans la main. Eh bien, je peux décider... Ah, tiens, tu en prends celle-ci. Voilà, parfait. Hop. Je peux décider de dire, ok, bah, je paye cet arbre avec ces deux cartes-là. Alors vous voyez, elles ont quatre couleurs en fait, parce qu'elles sont bleu, orange, jaune, bleu. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir au moins deux fois le bleu. Okay. Hop, je paye en mettant ces deux cartes dans la clairière. Okay. C'est comme ça que la clairière se remplit. Mon coût, il est en haut à gauche ? Le coût, il est en haut à gauche. Donc là, j'ai payé deux cartes de la bonne couleur. Et donc, je bénéficie de cet effet-là qui dit, évidemment, comme l'iconographie l'indique, vous pouvez rejouer. Est-ce que tu as des cartes deux fois la même couleur ? Non. Non. D'accord. Ensuite, mais c'était une bonne question. Il y a des cartes qui ont une seule couleur, comme l'arbre là. Oui. Ouais. Mais la plupart ont deux couleurs et en général deux couleurs différentes. Mais du coup, cet effet-là, c'est que quand tu le poses, les deux effets. Cet effet-là, c'est que quand tu la poses en payant la bonne couleur de carte. Cet effet-là, c'est une seule fois à la fin de la partie, tu gagneras ça. En fait, les glands, c'est ce que vous gagnerez à la fin de la partie. D'accord. C'est les points de victoire, les glands. Okay. Exactement. On va gagner un maximum de glands. Ouais. Donc vous allez mettre un arbre. Et puis cet arbre, il va falloir faire en sorte qu'il soit habité par des petits animaux. Et pour faire ça, on va jouer des cartes de notre main. Par exemple, si je joue ici cette carte, eh bien je vais payer son coût, c'est-à-dire une carte. Elle est de couleur orange. C'est un Beach Martin. Si vous ne savez pas ce que fait le Beach Martin ou ce qu'il est ou quoi, vous allez dans les petites aides de jeu, vous allez à Beach Martin. Il se trouve qu'il est juste là. Beach Martin. Ok. Each Beach Martin scores 5 points per fully occupied tree. Donc en gros, d'ailleurs c'est écrit là, hein, donc c'est quand même difficile de. C'est vrai qu'on l'a en anglais en plus, le jeu, tout va bien. Oui, il n'y a rien qui va. donc vous avez compris le principe, vous gagnerez 5 points de victoire si cet arbre est complètement rempli. Comment l'arbre est complètement rempli ? Eh bien, si vous avez une carte à droite, une carte à gauche, une carte en haut. Et une carte en bas. On s'en fout que les animaux ils soient orange. Canapé. Non, en bas. C'est pas ça. Ouais. Hop, pardon, attention. But. Canapé. Canapé. Donc là, vous l'avez. Ça, c'est un arbre complet.
D'accord. On s'en fout des couleurs. Ma question est on s'en branle des D'accord. couleurs, des arbres, des machins, c'est mais que pour les bonus. Bonne question, parce qu'à la base, quand on a commencé, Max était en mode bah attends, je me fais chier à mettre les bonnes couleurs sur les bons arbres. En fait, on s'en fout. On s'en fout. Okay. Ma question ouais. est la suivante. Ouais. Si j'ai jamais voulu jouer l'oiseau en bas, est-ce que je peux le mettre non. comme ça? Non, tu dois les mettre dans le bon sens. D'ailleurs, c'est logique, tout ce qui vole se met en haut de l'arbre. Tout ce qui est champignon se met en bas de l'arbre. Tes animaux sont sur le côté. Pour poser tes animaux, ouais, tu as des hérissons en dessous. Insectes. Tu as le même type de coût. Il faut que tu payes, genre pour le blaireau, là, il faudrait que tu payes une carte. Ouais, ouais, c'est ah, mais c'est toujours pareil partout. C'est, tu payes ce qui est en haut à gauche, avec la, fin, potentiellement avec la couleur de ce qui est en haut à droite si tu as un bonus associé, et tu obtiens les points de victoire indiqués en bas. C'est une course aux points de victoire. En faisant des combos de cartes, ça va façonner une forêt. À la fin, celui qui a la plus belle forêt gagne la partie. Il y a plein de manières de marquer des points. Ici, tu vois, c'est si ton arbre est plein. Ici, c'est flat, 2 points de victoire. Mais si tu payes avec la bonne couleur, alors, au moment où tu la poses, tu peux poser d'autres créatures qui ont la même icône. D'accord ? On vous montrera à l'arrière des règles. Il y a toutes les icônes correspondantes. En général, il suffit de lire la putain de carte. Par exemple, celle-ci, elle vous dit « À chaque fois que vous allez jouer une carte avec cette icône, piocher une carte. » Bon, bah, cette icône, spoiler, c'est un arbre. Donc, à chaque fois que vous allez jouer un arbre, let's go. Si toutefois, ça peut arriver, vous n'avez pas d'arbre dans votre main et vous avez besoin de poser un arbre, eh bien, ce n'est pas grave. Vous posez une carte comme ceci. Ça représente un arbre, mais c'est une jeune pousse. Oui, oh. il y a l'icône de l'arbre ici. Vous allez pouvoir, tout pareil, mettre une carte à droite, en haut, en bas. La seule différence, c'est que cet arbre n'a pas de couleur. Donc, il ne fonctionne... Il n'a pas d'effet, ouais, il n'apporte pas de point de victoire, il n'a pas de couleur. C'est juste une manière de ne pas être bloqué. Mais franchement, ouais. si vous faites ça... C'est vraiment la merde. Vous n'allez pas gagner. Okay. À moins que... Bon, mais... Et pour information, cette jeune pousse ne compte pas comme, le type d'arbre, comme un type d'arbre. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a des arbres ouais. qui disent « Ah, si tu as X type d'arbre, c'est cool ». Non, les jeunes pousses, ça marche. Vraiment, la jeune pousse. Ouais, c'est juste le bonus Max, parce que tu peux rien mettre. En vrai, je pense qu'ils ont fait cette règle en disant ah, qu'est-ce qui se passe si jamais. Ouais. Et en vrai, on s'en fout. Franchement, vous poserez jamais une carte comme ça, sinon, franchement, c'est la merde. Bah, logiquement, t'es censé avoir suffisamment de coups dans ta main pour jouer ton arbre. Ah, mais c'est pas grave. Au pire, si tu peux pas, tu pioches. Si t'as jamais ta patte d'arbre en main, c'est ça le problème. Pioche, ouais. Oui. Si t'as pas en main, tu peux. Ah oui, bah oui, tu peux piocher. T'as pas d'arbre en main. Mais vous inquiétez pas, les arbres, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a plein. Il y en a une chier. Bon. Y a-t-il des questions dans le chat? Y a-t-il des questions autour de cette table? Parce qu'en fait, les règles, c'est tout. Bah, ça va. Tout le reste, ça va être les effets qui sont sur les cartes. Si vous avez des doutes, je vais vous laisser ces cartes ici, qui vont en général vous décrire chaque putain de créature qui est dans le jeu. Et éventuellement, si vous avez un dernier doute, vous avez l'arrière des règles avec toute l'iconographie. Ouais. Franchement, c'est. Et puis, ça va, vous maîtrisez un tout petit peu l'anglais? Vraiment. Les mots basiques? Non, mais ça, ça. Toi, c'est bon. Ils sont développeurs, les deux. De toute façon, c'est pas, y a un jeu, c'est un jeu, il n'y a pas non plus trop d'interactions. Alors, nous, à deux, c'était intéressant de dire, OK, qu'est-ce que je lui laisse, etc. Bon, mais, ouais. mais en termes de... Il n'y a pas d'interaction active du genre, tiens, allez casser l'arbre de machin, ou alors, donc... Ouais, tu vas te concentrer sur ton board et... Tu te concentres un peu sur ton board, c'est bien un peu sur ce que font les autres, mais en gros, si toi, tu as vraiment une question, tu veux la poser à Max, ou inversement, Bastien, il n'y a pas de problème, on peut y répondre sans que ça baisse le jeu. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon, j'entends le loup, le renard et la belette. Oui. Allez, excellent. Je vais demander à Rofellos de faire ouais. la mise en place du jeu, s'il vous plaît. Et les cartes de l'hiver, c'est quoi? T'inquiète, ça arrive. T'occupe. Il y a une question à laquelle j'ai pas répondu. Quand est-ce que le jeu s'arrête? Quand c'est l'hiver? Quand ça fait froid? En fait, on l'hiver va. Bien, Jon Snow. Le but. Winter is coming. Vous allez voir que très vite, on va piocher dans la okay. dans la pioche. Et quand on va tirer une première carte hiver, on va faire attention, on s'approche de la fin. Deuxième carte hiver, ouh là 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 là, ça chauffe. Enfin, ça refroidit. Ça refroidit. Et troisième carte hiver, stop! Troisième carte hiver, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de oh, on finit le tour, nanana. Ouais. Donc, boum, ferme ta gueule. Au moment où tu pioches la carte hiver, la partie s'arrête immédiatement. C'est-à-dire que si toi, tu pioches la carte hiver j'ai déçu. Et que tu comptais finir ton tour, c'est non. C'est non. C'est ouais. terminé. Moi, je vois deux défauts à ce jeu pour l'instant. Il y a ça. Pour que ça aurait été bien. Et merci pour le sub, Ramirez Gomez. Ça aurait été bien de finir le tour en cours. Je trouve que c'est la base. Clairement, que ceux qui commencent, c'est avantagé. Et l'autre chose, c'est que ce ne sont pas des putains de cartes de taille standard, alors qu'on passe notre temps à les mélanger. Même José, qui travaille chez Asmodée, n'a pas trouvé des sleeves qui fonctionnent bien. Non, mais nous, on en avait des sleeves. Ça dégoûte. Là, franchement, on a juste eu la flemme de tout désliver pour tout resliver, parce que José l'avait déjà fait.
Mais évidemment qu'on a les cartes à la bonne taille, il suffit de les acheter chez Gamegenic. En plus, on aurait pu prendre des kimonos dans l'eau pour avoir des sleeves de bain. Ouais, je vais vous expliquer un petit peu la mise en place pour pouvoir faire l'hiver. J'ai divisé le jeu en trois tas de cartes à peu près similaires. Je vais en prendre deux que je mets dans le dernier que je vais shuffle. Donc on sait qu'en fait ce sera dans le dernier tiers. Ça c'est dans les règles ou c'est toi oui, c'est pas moi qui fais. Il a pas inventé hein. Oui, c'est dans les règles. C'est vrai que ça ressemblait. Alors je vais faire ça. Ensuite je fais 3. Non mais tu pourrais faire ça pour que la partie dure plus longtemps. Non, on ne manipule rien. Voilà. On vous montre les jeux tels que l'auteur l'a décidé. Ouais, dans leur version. Nous on sait pas. Alors, on pourrait mais. Et donc on est d'accord. Moi, par exemple, que... on file le tour en En fait le problème c'est que si c'est nous qui inventons nos règles, le jeu va être meilleur. Et après les gens ils vont lire les règles, ils vont dire mais attendez mais c'était beaucoup mieux comme. On est d'accord que en fait sur un tour, donc chacun a une de base chacun a une action sauf s'il y a des effets qui est trigger. Oui. Par exemple l'arc qui permet d'en jouer. Et donc ton action c'est soit tu pioches, soit tu joues une carte. Ouais. C'est tout. D'accord. Basique. Ah vraiment le jeu est un basique absolu et pourtant vous allez voir, votre cerveau va fumer comme grave. Hey, cartes, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Facile à apprendre, difficile à maîtriser. Donc j'ai mélangé deux cartes hiver dans le dernier tiers. Je mets cette carte hiver là juste au-dessus. Donc on saura en fait que quand on arrive au premier hiver, eh bien ce sera le début dernier de la tiers. Ça va devenir critique. Voilà, ah si j'ai une question. Fois, vous l'avez peut-être déjà dit. Super. Quand on pioche une carte hiver, on en fait quoi? On la dégage. Tu la mets de côté, t'en pioches une autre à la place. Ouais, c'est vraiment. C'est juste pour te. Sauf la dernière. Comment tu définis le nombre de cartes qu'il y a posées? Alors. Bonne question. On va poser des cartes dans la clairière au fur et à mesure qu'on va payer des coûts. Au début, il n'y en a pas. Et dès qu'on est à 10 cartes ou plus, à la fin de ton tour, tout dégage. Ah oui, en fait, c'est les cartes que tu payes, que tu mets dans la clairière. Exactement. Ok. La clairière, c'est une grosse défausse. Un petit peu comme des Fantasy Dreams et compagnie. C'est ça. Et donc du coup, dans cette défausse, les gens, si jamais tu mets des cartes dans ta défausse, ils vont pouvoir peut-être... C'est là où c'est intéressant de voir ce qu'il a. Si Max est parti sur une méta papillon, et qu'il y a un papillon que t'as en main et qu'il a pas... T'as pas envie de le jouer, pas le défausser En fait, à un moment, t'auras pas le choix, mais... Ou alors, tu fais exprès d'attendre, nous, c'est ce que on avait fait à deux joueurs. Ça marche très bien à deux joueurs, hein, franchement. ce qu'on avait fait à deux joueurs, c'est comme tu sais qu'à 10, tu te barres, tu peux très bien faire exprès. Et il y a aussi autre chose avec 10, c'est que tu ne peux pas avoir plus de 10 cartes en main. Donc en fait, tu sais que si le mec, il a 10 cartes en main, il va forcément jouer au prochain tour. Il va forcément jouer une carte en défaussant. Et tu peux pas choisir de piocher et de défausser. Non, c'est l'un ou l'autre. T'as pas le droit. T'as même pas le droit d'aller à plus de 10. Hein. Ah, mais t'as pas le droit. D'accord, ok. Si tu à partir du moment où t'es à 10, c'est fin. T'as pas le droit de piocher. Tu joues. Je te confirme. T'as pas le droit d'aller à plus de 10. Tu me confirmes. Je te confirme de confiance. Je vous propose d'y aller. On va commencer par prendre des cartes en main. Est-ce que tu te souviens combien ? 6, c'est bordé. Par rapport au nombre de cartes identiques, il y en a combien ? Je crois qu'il n'y a aucune carte identique. D'accord. Alors, si. Je pense qu'il y a des bouts identiques. Ouais. Donc, tu as par le blaireau et le blaireau, c'est le même blaireau. Mais il y en a un, il va être à gauche, l'autre, il va peut-être être à droite. Ouais. Il va être avec une autre espèce. Une autre couleur. Donc, oui. Par contre, tous les blaireaux ont le même effet. Ah. Ok. Tu vois ? En gros, c'est ça. Il y a plusieurs types d'animaux. Il y a plusieurs types de couleurs, il y a plusieurs directions. Tout ça est shuffle, de sorte que je crois pas qu'il y ait de cartes identiques. Oui, c'est ça, c'est genre tous les blaireaux, ils seront pas tous à gauche. Non. Tous les... D'accord. Et je me suis bien fait baiser avec ça. Une fois, j'étais en mode, ah, trop bien, je vais mettre tout ça à gauche, et puis après, quand j'aurai autre chose, je vais mettre à droite. J'ai eu droite, gauche, j'ai fait super. Allez. Je crois que j'avais autre chose à vous dire. Ah bah... Même. Oui, vous avez le droit à un mulligan, entre guillemets. Puisque si jamais vous n'avez pas d'arbre dans votre main de départ, vous pouvez virer ces cartes. Bizarre d'ailleurs, c'est de virer les cartes. Et en repiocher 6. C'est que si vous n'avez aucun arbre. Que si vous n'avez aucun arbre, mais c'est utilisable qu'une seule fois. Mais il est très fort, j'ai l'impression qu'il est très fort, Mully, quand même. Parce que Mully gagne souvent. Mully gagne souvent. C'est vrai. 4 heures, tu l'as dit, Max. T'as dit quoi? Tous les roughs ont le même effet. Oui. Je commence? Allez, je commence. Mais il y a qu'un seul rof du coup. C'est une. Il est unique. Et le rof, il est à droite ou à gauche? Il est au centre. C'est un arbre. Plutôt en fait. Au milieu des choses, tu m'assures. Allons-y, moi je vais commencer par spoiler. Je réfléchis un peu. Oui. Socro fait sur tel, donc du coup il y a pas de prédit. Est-ce qu'il y a pas un autre modo qui peut faire une prédit dans le chat pour vous tenir un petit peu en haleine? Oui, peut-être. Super Max. Au pire, je le ferai. Il n'y a pas d'épée. Les types d'arbres, c'est par rapport à l'icône, c'est pas forcément par rapport au nom. Non. Les types d'arbres. Alors, effectivement, il y a 8 types d'arbres uniquement. D'accord.
Et c'est le nom de l'arbre. Je pose ok, c'est arbre. Forcément dans le nom. Ouais, genre, mais de toute façon, je crois que chaque arbre a une icône de couleur. Et du coup, il y a 8 couleurs différentes. Il y a 8 arbres différents, je crois qu'il y a 8 couleurs différentes, il me semble. Je pose un arbre et next. Alors, je crois que c'est pas mal, effectivement, si vous jouez... Ouais, on est la rivière d'accord. va être là. Vous jouez proche de votre portrait et de temps en temps, j'irai faire des zooms sur vous. Oui, c'est à Alice de jouer. Il y a une icône que j'ai pas compris. Je vais jouer un arbre. Nouvelle règle. Quand on joue un arbre oui. et qu'on paye son coût, en plus, on doit prendre la carte du dessus de la pioche et la mettre dans la clairière. C'est que pour les arbres. Il n'y a que nous qui le faisons. C'est vrai qu'on a inventé, okay. on trouvait ça cool. Pour compliquer le truc encore. Ouais, ma question est la suivante. Quand il y a des symboles qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, donc, soit tu regardes là. Et donc là, on est d'accord, si je paye en bleu, dans un premier je temps, peux rejouer. Attendez, pas tous en même temps, par pitié. Ah oui, mais pour le coup, il m'avait posé une question. Donc, soit tu regardes ici dans un premier temps. Ah, si jamais tu... Je ne sais pas lire le français. Ça va vachement t'aider. Sinon, tu vas là-bas. Je ne sais pas lire le français, moi. Excuse-moi, Alice, vas-y. C'est vrai ? Ouais, ça va. Non, c'est bon. Non, c'est bon, ok. Ah ouais, parce que sinon, on explique. Là, si je paye en bleu, je oui, rejoue. Tu rejoues, ouais. exactement. Mais il faut payer deux bleus. Oui. Ça marche ! Hop, ça va avec l'arrière. Là, t'auras 5 points de vie. Je vais vraiment le remettre ouais, là. Ouais. C'est pas un choix que je te donne. ok. Mais de toute bon, façon, après, en vrai, à terme, non, non, mais ok, ok. Allé... Au début, bah, vous savez au quoi, début, je vais faire ça. Voilà. Ouais, parce que de toute façon, ça va être. Ouais. À la limite, on dit. Vous allez voir que. Tu sais quoi, dis ce que ça fait. Donc là, tu as mis un. J'ai pris un Douglas Fir. Douglas Fir, ok. Il te rapportera 5 points de victoire à la fin de la partie. Et donc, comme tu et comme j'ai payé en bleu, je peux refaire une action. Tu es la chef. Autre question du coup, comme on découvre les cartes. Vas-y, n'hésite pas. Une fois qu'il est posé, oui. Ça marche pour tout le plateau. Pour c'est pas juste plateau. Pour ce que je pose autour de mon arbre. Non, c'est pour c'est tout ton, toute ta forêt. Ok. Et alors ça, c'est très fort de l'avoir au départ. Au début, ouais. Mais fais attention parce que généralement des effets comme ça déclenchés, il y en a assez peu. Souvent, c'est tu mets une carte et tu fais ces effets. Donc là, rappelle-toi okay. bien que tu as quelque chose. Enfin, si jamais tu le joues, que tu as quelque chose qui à chaque fois que tu fais quelque chose a un bonus. Car on n'est pas là pour te le rappeler. Prof, c'est à toi. Bah non, elle a pas joué. Ah pardon. Et je vais attacher un papillon. De lumière. Papillon, pour zéro. C'est zéro. Et en fait, le principe du papillon, c'est que plus t'en as... Attention, il faut qu'il soit différent. Là, c'est le peacock oh. butterfly. Peacock, yeah. qui veut dire... Le fier. Qui veut dire le pan, bon. Je crois. Et voilà. Voilà, 0, 1, 0 points, 2, 3 points, 6, 3, 6 points, 4, 12 points, 5, 20 points. Évidemment, c'est pas... Par papillon, et c'est pour l'ensemble de vos papillons. Par papillon de lumière. Alors, qu'est-ce que vous avez mis comme carte ici ? C'est vrai qu'il faut regarder ça. Elle, la petite fourmi, elle rapporte 2 pour chaque truc qui est en dessous des arbres. Il y a un petit papillon qui est différent de celui d'Alice. Ici, on va avoir un truc qui va foutre des chauves-souris, enfin des sortes de... Comment ça s'appelle ? Et là, il y a le fameux blaireau. Qu'on apprécie avec une autre chauve-souris. Est-ce qu'il y a une méta chauve-souris ? Max l'avait essayé la dernière fois, ça n'avait pas du tout fonctionné. Il faut faire plein de trucs, de toute façon. Je tente une méta chauve-souris ou pas ? J'ai quoi dans ma main ? Une méta chauve-souris, moi je te le déconseille. Bah, si tu me le déconseilles, je vais donc aller dessus. Vas-y. Je vais prendre ces deux cartes-là. Il va à la méta chauve-souris. C'est à toi, Bastien. Moi, de zou. Ok. Un arbre. Tu joues un. Ouais. Sur un avec arbre. Un N majuscule. Alors, du coup, tu peux défausser ce que tu veux parce qu'il n'y a pas de bonus de défausse. Exactement. Ce c'est pourquoi. Et lui, plus tu en as et plus il te rapporte de points. À quel jeu défausse, c'est ça la question. Mais c'est vrai que là où il y a un petit peu de réflexion, c'est que c'est, quand on a 6 cartes en main, en fait, on en a pas 6 la plupart du temps, on en a 12. Parce qu'en fait, tu as des. Bah, comment tu fais pour en avoir 12 ? Ah, salut toi, comment ça va ? Tu coupes en deux. Alors, pas pour les armes, mais quand même. Ouais. Bref, donc tu as joué ça, tu as défaussé un papillon qui est le même que celui-ci. On est très content, il y a une tortue aussi qui est sympa. Vas-y Max. Non, elles sont méchantes les tortues. À moi de jouer, effectivement. À toi de jouer. À moi de jouer. C'est l'heure du Ah, il y a peut-être un bail sur ça. J'avoue, elle a chié la batte là. Hop. Je vais prendre ça. Et je vais prendre ce qu'il y a sur le dessus. Fin de mon tour, à toi Alice. Qu'est-ce que tu veux ? Tiens, c'est ça. Ouais, je cherchais. C'est ça que tu cherches ? Yes. Waouh, la forêt. It's alright, it's alright.
Je vais piocher. Ce que tu as vu, t'as plu, a priori. Oui, ça, ça, part ça m'intéresse. Un, ça part sur un, papillon. Un petit papillon. De lumière. Et... Bon, par contre, ça fait trois fois qu'on l'a fait, frérot. Ouais, on va y aller. Hein. À moi de jouer. Je vais piocher ici une carte. Oui. Et je vais piocher ici une. Oh non, j'ai tombé. Seconde carte. À moi ? Oui. Je vais prendre celle-là parce que je la trouve super belle. Et puis là, je pense que j'ai pas le choix. Mmh. Oh bien vu. Oui, la clairière n'est pas si simple à remplir, hein, parce qu'on va vite se servir dedans, et plus on est nombreux, évidemment, plus on a envie de piocher dedans. Ce qui est marrant, c'est que les règles sont en français et les cartes en anglais. Ouais, parce qu'en fait, en gros, le jeu est en anglais, et pour pas avoir à lire les règles en anglais, lui, comme il est éditeur, il a fait « bah moi, je prends les règles, j'ai le PDF ». J'ai compris. On y va. Je vais jouer ceci, à savoir le Tiny Hole. Ok. Tiny Hole. Pour le jouer, ça veut dire petit trou. Je vais hop, deux cartes de la même couleur. Et donc, je vais piocher non pas une, mais trois cartes. Un, deux, trois. Hop. Alors, attention, quand vous avez ce symbole d'une carte avec un chiffre dedans, vous pouvez pas piocher dans la clairière. Il faut forcément prendre depuis la pioche. C'est 5 points récupérés ici, à vous de jouer. Il y a qui pose une question, j'ai pas fait une bêtise. Quand Bastien a posé son arbre, oui, il fallait pas reposer une carte de la pioche. C'est vrai. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a fait aussi pour oui, tu me l'as fait. Non, tu l'as fait pour moi, mais pas pour Max. Non, mais moi je l'avais fait, c'est bon. Ah bon ? Moi je l'avais fait, moi. Bon, c'est pas très grave. Mais effectivement, ça fait partie de la règle. Quand t'es en train de te concentrer, qu'on dit attends, il faut que tu fasses ça aussi, ça dégoûte. Mais ça permet justement. Mais non, tu l'as pas fait parce que t'as posé la carte que t'as payée, mais tu l'as pas fait. Et c'est Max et c'est Rof qui m'a rappelé que fallait le faire. Non. Au moment où t'allais commencer à jouer, j'ai dit stop. Quand on joue un arbre, il faut. Non. Donc d'ailleurs, t'as pas fait toi. Donc allez go. C'est cadeau. Voilà. C'est gagné. Et pas forcément ouais. Tu voulais pas un sycomore ? Ouais. Je crois que j'ai besoin d'arbres. Ah, dans ce jeu, ça t'apprend que les arbres sont... Ah ben, tout est utile. Hein. Son buste. C'est bon. Ok. Et ben moi aussi, je vais mettre un arbre, tiens. Mais non. Bah ouais, parce que j'ai rien joué tout à l'heure, là. Je vous voyais jouer sans moi. Et alors, vous pourriez vous dire, mais du coup, le jeu se finit plus vite si vous jouez à 4 ou si vous jouez à 2. C'est faux. C'est semi-faux. Parce qu'en fait, quand vous jouez à 4, vous jouez avec plus de cartes. Bah, ça, on en retire, en fait, aléatoirement, quand on est... Il y a quand même une petite production. Oh, ben voilà. Oh merci, alors, Risto. On peut regarder. On lève ta langue. Qui a voté pour moi et qui a eu tort? C'est Alice qui a le plus de votes. Non mais attends. Suivi de Rofelos, suivi de Maxildan, suivi de Bastien. C'est avec tout le respect que je te dois. Personne ne m'aime. Je vais du coup. Ouais, je vais voter pour moi. Ouais, ça me paraît compliqué comme jeu quand même. Jouons. Trop de réflexion. Jouons ensemble. J'ai conco. Alice 39%, Rov 29%, moi 18% et Bastien 13%. Aimez-moi. Après, c'est pas en nombre de personnes, on rappelle, c'est en valeur. Ouais, moi je vais jouer un petit arbre. Et pour ça, je vais défausser. J'avais une carte que j'aimais pas trop, c'était laquelle déjà? Ah oui, celui-là. Une petite biche. Une petite biche ou alors un petit. La biche carcassin. Lorraine. La biche Lorraine. Défausse des biches, toi, d'accord. Défausse des biches et ça va me permettre, comme j'ai joué un arbre et que je n'oublie pas, de mettre. Un autre arbre. Super. Je vais tenter un move, voir si c'est vraiment bien ce que je fais. Je joue ça. 15 katos. Si j'ai bien compris, ça me permet de jouer gratuitement un animal. Pardon. Si je défausse de trucs bleus. Attention, c'est forcément un niveau avec un animal avec une patoune. Oui. Voilà. Donc là, le but c'est que je fais ça. Ouais. Ah, j'ai pas son bonus. Ouais, t'as pas son bonus. Ah, ça, ok, parce que là je faisais un move incroyable. Ouais, non, l'idée c'est de chier des cartes. C'est donc patoune forcément et Bah, je préfère dire patoune, eux ils disent. Le move était dingue. Plantigrade ou digitigrade. Ouais, une patoune quoi. C'est mieux quoi. Le move était dingue. Je sais pas trop ce que je fais, mais je vais le faire. Quoi, Vito a mis 15-4 points de chaîne sur moi. Je vais pas troll, t'inquiète pas. Là, je sais pas si ça vaut le coup de faire ça, tu vois. Je mets un ours et je défausse 3 cartes. Ouais, l'ours c'est pas mal, sauf qu'il dit que place all cards from the. Ça là. Ouais. In your cave. Donc là en fait, tu n'en as mis que 4. Maxildan, quand il avait joué contre moi, avait fait un move magnifique où il avait mis, je crois, 10 cartes dans la. Ok, on peut faire. Mais celles que je vais jeter, elles vont pas aller dedans. Ah non. Okay. C'est au moment où tu la poses. Très bien. Je vais donc faire ce que je veux. Ah, celles que tu vas jeter tout de suite avant d'aller dedans. Si. Si, si. Non, je pense que ça va. Alors, que... T'en mets 7. T'en mets. J'en mets 7 quand même. T'en mets. Il y en a 5 déjà. T'en mets 8. Du coup, t'as pas encore acheté de cartes ? Non, j'ai pas acheté de cartes. Oh, 8, ça va.
Mais il faut savoir que contrairement au carton en main, on n'a pas le droit d'aller au-dessus de 10. Pour le coup, la clairière, tu peux aller au-dessus de 10, c'est jusqu'à la fin de ton tour, si on a 10 ou plus, tu... Exact. Ouais. Mais vas-y. Enfin... Vas-y, frère. Vas-y. Bah écoute, je prends tout et puis je... Eh bah vas-y. Tous ces points. Et tu mets ça dans la cave. Et du coup, je les mets en dessous de la cave, comme ça. On s'en branle. Oui. Hop, c'est en dessous de la cave. Papa la papa. Justement, les cartes dans la cave, il n'y a que par effet d'autres cartes que tu peux les mettre. Ouais, ouais. Et c'est assez rare. C'est pas mal, y a ça. L'ours. Et le raccoon. Le raccoon, ouais. Bah, c'est souvent les. Et celui qui est dans la. Les roleplay, ceux qui font des réserves pour l'hiver. Si je vais poser une beach. C'est le raccoon city. Et. C'est l'arbre, cette fois-ci. Pour poser cette beach. Une beach ou ma beach. Bien, je vais défausser. Cet arbre. Et du coup, je pioche une. Pardon. J'en jette une, merde. J'en pioche une. À vous de jouer. À toi de jouer. Alors attends, donc t'as défaussé ça pour jouer. Pioché puisqu'il y avait marqué. Et tu as fait ça parce que t'as mis un arbre. Tu es légal. Vas-y, Alice. Ah, il fallait faire dans ce temps-là. On s'en fout. C'est la même. Non, je te. Ok. Et Alice. Du hasard. Il n'y a pas des arbres là-dedans? Le nombre tous les arbres qu'il y a. Ouais. Non, pas tous les arbres, juste si, je cherche un arbre. Ah, j'avais pas vu tout, j'avais juste ici. Normalement, il y a tout. Hein. C'est bon, j'ai pioché du coup. Ouais, j'ai c'est vu. C'est en fonction du nombre. Félos. Je réfléchis, ça va. Ça fait deux minutes, c'est une question. C'est le nombre de horse chestnuts que toi tu as. Ah oui. Oui, il y a rien qui partage. C'est un jeu, il y a aucune interaction. Très individualiste. Pas de communisme. La seule interaction, c'est la clairière. Okay. Donc vraiment, tranquille, toi, personne va te détruire des trucs ou te voler des trucs ou compter des points chez toi. Ça n'existe pas. C'est à toi de jouer. Donne-moi ce temps. Oh, j'ai même pas eu le temps de... Ça va vite. Hein. Comme toutes les cartes ont des combos, c'est dur de se dire je vais jouer ça et je vais pas jouer ça. Mais attendez, on vous a pas dit que c'était un jeu pour les cons. On vous a dit c'est un jeu aux règles simples. Alors, c'est pas parce qu'on a vu de Bastien que forcément... J'aime pas trop sa petite. Pas trop tonton. Mais du coup, c'est le genre de jeu où au départ, tu sais pas sur quoi partir en fait. Tu ne sais pas quoi faire avec tes œufs au départ, mais très vite. En fait, ce que t'as fait. Je pense qu'il faut partir sur des arbres. C'était très bien. Et des animaux. C'est bon. T'as fait. Avec un Z. Une carte qui me permet d'en jouer une autre, et derrière, t'as pioché des trucs pour te donner des options. Bah, j'ai pioché deux cartes. Ah, super. Alors, c'est un vrai. Ah, faut faire ça là. Ah non, parce que j'ai pas posé d'arbre. D'accord, t'as pioché deux cartes d'ici, basta. Je lève les mains, c'est bon. D'accord, et tu as moins de 10 cartes en main, tu as moins de 11 cartes en main. J'ai moins de 10 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 1. Je vais poser sur cette beach un oiseau qui me dit qu'il vaut 5 s'il est posé sur une beach. Ouais, je sais, sucez-moi. Sucez-moi la beach. Et je vais jeter. Oups, je jette ça. Ah, petit papillon pour Alice. Non, elle l'a déjà. De lumière en plus. Un petit champi qui dit Fly Agaric. Whenever you play a card with machin. Ok. Ah, mais c'est le truc que t'avais. Je vais poser pour un. Horse chestnut. Ouais. Je vais larguer une bitch. Ça, c'est vraiment super. C'est vraiment la meilleure configuration possible. C'est-à-dire qu'il y a un arbre qui dit plus t'en as, plus tu marques de points. J'en ai un, elle en a un, il en a un. Vraiment, c'est super. Mais battez-vous, les gars! Vraiment, Ruff, il battez-vous se serre la main à lui-même. C'est génial. Ouais, battez-vous, je vous regarde. Bonjour. Et les arbres, il y en a combien de chaque? 8. Ah, de chaque? Ouais. Il y a 8 arbres, 8 arbres différents, mais. De chaque, j'en sais rien. Plein. Okay. Bon, 4. Bah, a priori, il y en a 7. Ah, bah oui, non, il y en a au moins ça, oui, je pense. Vu que. C'est 7. 7 plus, et c'est 7 quoi. Plus, donc je pense qu'il y a peut-être 8 fois 8. Ce serait pas impossible. Mais on voit des arbres, on a plein. J'avoue, je vais pas faire. Non, mais parce que si chacun en pose un ou deux, on va avoir l'air malin avec notre bonus. Ah, mais c'est ce qui va se passer. Ouais. C'est ce qui va se passer. C'est ça, ouais. Pas très rentable tout ça. Dis-moi. Hein. On est où là? C'est moi. Je ok. Pas de soucis. Putain, il trie ses cartes, l'enfoiré. Bah, il y a des cartes que je vais garder, d'autres non. Je comprends. Alors, moi, je vous donne un conseil pour pas que vous relisiez la carte 18 fois. Quand il y en a une dont vous savez qu'elle va plus vous servir à payer des coûts qu'à la poser... Tu la retournes, tu fais ça toi ? Oh, mais il est bon. À l'envers. Ça t'évite de la relire. T'es en mode non mais ça je m'en branle. J'avais décidé que je m'en branlais, je m'en branle. Je mets un sycomore, je vous offre un écureuil, un fireflies. Je vous offre un truc qui dit que si vous avez plein d'arbres dans votre forêt, vous êtes le meilleur. Et un crapaud. Et comme j'ai posé un arbre,
Attends, d'ailleurs, j'ai... Oui, c'est bon, j'ai celui-là que j'ai posé. Eh bien, je fais ça. Moi, je suis perdu sans moi. Bastien. Je vais jouer... Jimmy la banane. Mais non. Non, je vais piocher deux cartes, moi. Allez. Ça marche. Parce que c'est bien. Ok. Mais je suis déçu. C'est marrant pour un mec qui est parti sur un gameplay... Sur un gameplay chauve-souris, tu jettes une chauve-souris. J'ai mis la chauve-souris là, flat, avec mon arbre. J'ai pas rien. Comment ça? Bah, j'ai posé un arbre, j'ai pris du coup un truc ici, je l'ai mis là, c'était une chauve-souris. Ah, t'as pas choisi? Non. Je sais pas, donc te la prendre. Ça dégoûte. Je sais même pas si je vais garder un plat de chauve-souris. Pour l'instant, j'en ai deux. Tu t'en fous? Moi, je vais prendre. Et après, il me dit que c'est moi la salope, alors qu'il là, il cherche qu'à une chose, alors qu'en plus, on est à l'opposé. Il cherche à me. Ça me nuire. Mais en même temps, j'ai, pour l'instant, j'ai pas de strat. Je fais un fond de France. Je vais prendre ça. Ok. Ok. Alice. Ouh. Je vais jouer un papillon pour 0. Oui, la reine des papillons, c'est toi, Alice. Okay. Papillon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais prendre ce petit truc-là. Ainsi que. Et je crois que je vais prendre la beach. Hein. Un siphon. La beach. On fond. Et c'est la beach qui est prise alors que. Bastien, c'est à ton tour. Moi, je vais jouer un roar. À 4 sars. Oui, parce qu'en fait, parce qu'en fait, t'as le temps de réfléchir pour le prendre. On réfléchit pendant le tour de l'autre, et du coup, si l'autre va vite. Un raw. Ça marche. On vous le recommande plutôt à 3. Et du coup, si jette ça. Ça marche très bien à 2, mais. On est d'accord que du coup, je pioche une carte. Quoi? Ah, parce que tu as joué ça. Tu l'as joué avec quoi comme carte exactement? Avec celle-là. Il en faut 2. Je suis aveugle des yeux. Tranquille. Ça va sinon? Bah, ça va. Il t'en faut 2 avec cette couleur-là. Sinon... Est-ce que tu as 2 avec cette couleur-là? Non. Ou est-ce que tu reprends ta. Non, reprends ta dire. Ouais, je vais reprendre ma dire. Et reprends ta dire. Et je vais piocher, hein, parce que. Je me suis fait en fait, parce que j'ai lu. T'as lu le j'ai 1 lu le 1 qui était là, et j'étais en mode il faut payer 1. Oui, c'est pour ça qu'on est là pour vérifier. T'as pioché 2. À mon tour, je pioche 2. À vous de jouer. À toi de jouer. Moi, je vais pas piocher 2, je vais mettre un Fly Agaric. Mais non, je vais foutre ça sous mon Linden, on s'en fout. Ça va me coûter 2. Et désormais, quand je vais jouer un truc avec Patoon, je vais piocher une carte. Je suis très fort. Et quelle carte je vais virer? Attends, ça je garde. C'est trop puissant en fait. Ça je garde, ça je garde, ça je garde. Ça je peux jeter. Et ça, de toute façon, vous en vouliez pas. Donc au pire, je le jette. Et puis ça me va très bien. Laissez-moi réfléchir, mais je crois que ça part en ça. Hein. Je remets la beach et je mets et Non mais non, ça c'est chiant, ça m'intéressait ça. Attends, ça m'intéresse. Ça je m'en fous, ça m'intéresse. Je t'invite évidemment comme d'habitude à chronométrer, hein, parce que... Non, ça va. Ah bah non, ça va pas. C'est pas parce que tu le dis fort que d'un coup ça marche. Faut que ce soit utile, faudrait que ce soit un gros chrono pour que ce soit un chronométré quand même. Vas-y, c'est bon. On va me durer des grands trucs avec un coup. Bah, excusez-moi, vous passez vos tours à piocher. Ouais. Moi, je réfléchis. Alors, vous allez faire quoi? Là, tu mets ta bitch, tu mets ta dire. Voilà. Voilà. Donc, tu as fait ça. Du coup, comme tu l'as payé comme ça, tu pioches une carte flotte d'ici. Et oui. Et tu marqueras 3 points de victoire par chaque goutte bleue que tu auras à la fin de la partie, elle comprise. Ça, bien joué à toi. Vie. À vous de jouer. Max Hildan. Max Hildan qui s'est dit finalement. Tu vois que t'as pas un peu plus que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un oiseau. Il fait très attention. Ouais. Il veut me chercher, le petit Rof. Il veut venir faire la guerre avec moi. Il veut venir à plusieurs dans mon slip. Ok. Vous savez quel a été le bon plaisir de la journée? Alors vous le savez, mais je le raconte aux gens qui nous regardent. Mon plaisir de la journée, c'est que... Alors... Le problème, c'est qu'en racontant cette histoire, je sais que je vais dire quelque chose qui va choquer les gens. Oh non. Mais c'est pas grave. On est plus là. Hein. Il se trouve que j'ai une femme de ménage. Voilà, alors je ça, sais, ça, ça choque les gens. Voilà, les gens, ils sont de quoi. Mais du coup, tu te baignes dans les billets. Fermez vos gueules. Ouais. Ah non, puisque tu les donnes à la femme de ménage. Exactement. Et la donc, femme de ménage la plus riche de l'île de France. Elle vient une fois toutes les 2 semaines. Tu vois, ah, non pas... voilà. C'est limite un peu décevant. Hein. Et bah... Quand enfin elle vient et que je sais que ah, ce soir j'aurai une maison propre, qu'elle n'est pas la merveilleuse idée de ma femme, de ne m'écoute pas, joue. C'est à lui. Ah, d'accord. Ne m'écoute pas, joue. Pardon. qu'elle n'est pas la meilleure, la merveilleuse idée de ma femme de dire oh bah,
les chiens, ils vont faire une super sortie ensemble. Je dis les chiens parce qu'il y a un groupe de chiens dans le quartier, machin. Et du coup, il y a une des meufs qui a un des chiens du quartier, qui a pris tous les chiens du quartier et qui l'a emmené dans un parc. Et du coup, Ragnar, qu'est-ce qu'il aime bien faire quand il est dans un parc ? La guerre. Eh bien, suite, après mon tour. Dans un premier temps, je vais vérifier que je fais pas de la merde. A priori, ça nous tient en haleine. Hein. Ah bah ouais, bah attends, c'est le but. Hein, oh. Bon, après, on est sur un jeu de la nature, ça parle de parc et de chien, c'est roleplay. On est là, hein. On est là. C'est-à-dire que c'est... Ok, j'ai ça. Ok, on est pas mal, et du coup, je vais commencer par... J'ai posé un arbre, non ? Poser ça. Oui, faut y penser. Je vais poser cet arbre et pour pareil. Poser cet arbre, je vais jeter. Ah, les chances, moi. Franchement, si quelqu'un l'a, GG. Les chances d'avoir ça, ouais. Bon courage. Max, je vais jeter ça et une autre. Ouais, je t'ai mis ton arbre. Ouais. Faut juste que je jette un autre truc. Wow. Il faut que je jette un autre truc et je suis pas très sûr de moi, je vais jeter ça. Ouais. Hop, c'est bon. Ok. On est à 7 cartes, attention. Et du coup, Max, comme tu as... Ah non, t'as pas payé, tu t'en foutais, toi, du bonus. J'en ai rien à foutre. Ok, vas-y, Alice. Je vais poser un champignon pour deux. Ah, tu fais ma méta. La méta champignon. La méta champignon, elle est forte. Enfin, moi, je pense qu'elle est forte. Ok, attention, là, parce que là, pour le coup, il y a... Alors, attends, on va essayer de faire des... Ah, tu sais quoi, t'as raison, Rof. Je vais vous faire chier. Non, mais t'as raison. Oh, le rollback. Oh, le petit rollback. Oh, le rollback. J'ai jeté ça, d'accord. J'ai jeté ça. Et au lieu de jeter ça, je vais donc jeter ça. Et ça, qui sont de la bonne couleur. Moi, j'aurais pas fait ça. Donc, récupérer ça. Et donc, j'ai le droit de poser n'importe quelle carte avec des bidules sans faire leurs effets. C'est ça. Et donc, je vais pouvoir poser ça. Un petit européen dans. Ça passe. Voilà. Et je pourrais poser d'autres trucs, d'accord hein. Et non, ben non, tranquille. Ah, c'est une seule ? Bah oui. T'es sûr ? Je crois évidemment. Que cet effet, c'est autant et que... Non. De toute façon, vous ferez un spécimen possédant l'icône de type indiqué, spécimen à provenir de votre main, vous n'en payez pas le coût. Vous ne pouvez utiliser ni son effet ni son bonus. Il perd des devants, mais je prends quand même. Ouais, évidemment. Ah, c'est pas non plus. À vous de jouer. Tu l'as fait. Je crois, du coup. Donc, du coup, t'as joué, non t'as, oui. T'as joué. Donc, attends, 2, 4, 5. On va faire 2. Non, ça, c'est bon. Ouais, justement. 2, 4, 5. Il y a une autre manière de compter. On fait 2 piles, comme ça, on essaierait. Voilà. Ça, on sait qu'il en reste que 2. Une. Une. T'as relâché celle-ci. Après, je sais pas pourquoi on se battrait pour cette merde-là. Hein. C'est nul à chier. En fait, je l'ai déjà. Je mens. Bon, t'aurais pu en avoir deux. Un par truc comme ça. Ok. Et quand je fais ça, je rejoue. Ouais, c'est pas trop mon gameplay, ça. Ah, dingue, hein. Et ça, c'est... ok. Reddir et Falodir. Ouais, ça m'intéresse à peu près pas. Ah oui, ça c'est le truc où tu fais baiser des lapins. Oh là là. Axilda. Ouais, je replay, m'emmerde pas. Je pose exactement la même créature. Ça va. Je la mets juste à droite ou à gauche. Je change rien. Ouais, ça veut dire que t'en as deux. Ok, in number of European Arms, mais Cherzy Spot. Ouais, j'ai pas réfléchi à ce que je vais faire. Là où je tente cette strat là. J'essaye de jouer vite et du coup je fais des plays bêtes. Je crois que je veux bien faire ça. Hein. C'est vrai que j'ai baissé le son de la musique. On arrête de me dire oui, la musique était trop forte. Oui. Ouais, mais ils ont raison de te le dire. Donc ça, c'est bon. Je vais prendre ça. Ah ouais. Et je vais prendre. Il est où le truc de merde là que je voulais tester ah. Oui, merci. Tu vois. On s'en plaît. Ça a l'air très décevant. Vas-y. Attends, on va essayer de faire. En fait, on fait 5 plus le reste. Touche pas. Ah, tu les prends. Touche pas. Qui cassait mon maligne là. Ok. Je suis un peu maniaque. Ouais. C'est quoi la fin de mon histoire du coup? La fin de mon histoire. Ah. Et bah du coup il va au parc, il se baigne, il court partout, nanana. Et juste avant de retourner dans la voiture, il trouve une étendue de. Et il se jette dedans. Et donc mon chien est bicolore, c'est-à-dire que tout le haut du chien est blanc, tout le bas du chien est noir. Et bah évidemment il est rentré à la maison, il en a foutu partout. Quel enfer. C'est dégueulasse. Quel enfer. Évidemment, en plus, il est rentré genre 30 minutes avant l'émission. Je suis en mode, bah, j'ai pas le temps de te prendre une douche. Super. Donc, en plus, tu vas dégraisser à la maison pendant que je vais pas te regarder. Non, mais vraiment, j'adore. J'adore. Quel plaisir. Les chiens. J'ai envoyé un message à ma femme en disant, bah, plus jamais. Bah, ouais.
plus jamais on fait ça le jour où la femme de ménage vient tout nettoyer. C'est à toi de jouer, mon cher Maxime. Ah, tu vas refaire le ménage. Mes petits problèmes de ma vie, d'accord. C'est des problèmes nuls, mais c'est problème quand même. Je vais et je viens. Surtout, on aime bien que tu racontes. Poup, poup, poup. Et voilà. Je vais poser cette petite brown long-haired bat. Ça part en méta chauve-souris par là. Oh, j'ai envie de te laisser. Moi, une petite méta chauve-souris, je ne vous le cache pas. Par contre, il va falloir que je paye. Méta laisse. Il va falloir que je paye et je veux payer. J'ai rien envie de payer, donc je vais payer ça. À vous ! Eh ben, je vais prendre ça et ça. Ouais, elle attendait que mon dire. Elle voulait mon dire. Mon dire ou mon blaireau, mais elle le voulait. Mon dire, dire donc. C'est ta refélos. Ouais, moi je vais faire. Si tu refais l'os, alors du coup. Refélos qui a pour le moment posé deux arbres, un truc, il a un plein. Okay, j'ai une méta late game, je sais où je vais. Le paquet est bientôt fini, enfin. Ouais. je vais jouer un Douglas. Spoiler, non. Ce Douglas, je vais le payer avec. Parce qu'en plus, si on ça passe notre ça. Temps à s'échanger, à prendre les cartes, oui, ça rallonge la partie. Bien sûr. Oui. Je vais mettre le Douglas avec ça et ça. Et du coup, comme j'ai fait bleu-bleu, je vais rejouer. Et comme je rejoue, je vais deux claps. Deux reprendre tout. Les cartes en question ou pas. Ah, tu peux les reprendre. Because we smoke clap. J'avais une méta comme ça la dernière fois, ça n'avait pas trop mal marché. Papillon. Ah, le papillon, il marche bien avec ça. Faudrait que tu prennes ça, Alice. Ouais. Mais je vais peut-être te le reprendre, malheureusement. Le hérisson, il dit, c'est deux points par papillon. Mmh. Pas mal ! Je vais le reprendre, du coup. Et je vais prendre... Vous savez quoi ? Je vais vous faire un plan... ça, je le laisse... Voir un peu ce qu'il y a sur le marché. Est-ce que je le laisse à Max ou pas, ça ? Ah ouais, donc tu me counter, mais tu counter mais pas Max. Je voulais récupérer mes cartes que j'avais posées. Ouais, je me réfléchis, est-ce que je lui laisse ça ou pas ? Je retiens. Max, il en a déjà joué deux. Ouais, j'en fais beaucoup. Alors, attends. Qu'est-ce que tu fais ? Ça, ça. Qu'est-ce que... Vas-y. J'ai mis un arbre. Vas-y. Mise au point. D'ailleurs, en fait, techniquement, j'aurais dû voir ça avant de repiocher mes cartes. Oh, ouais. Et je vais le prendre, en fait. Je vais remettre. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça va, je vais remettre ça et je vais de celui-là parce qu'en fait c'est fort ça. Le way you play a card below a tree, one. Oh, je vais avoir une combo en fin de partie. Kumba Bastien. J'ai pêché une carte. Okay. Écoute, zéro. Bien joué. My turn. Le test là. Je vais piacher. Mais quoi? No. No back, no man. Ouh, 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 ouh. Ah. Ouais, ok. Ah. Ouais. C'est trop un truc. Enfin, je crois. Hein. Je vais prendre une carte sur le dessus ici. Ça, ça peut être marrant. La carte pour l'ab, Bastien. Bastien, t'as mis un arbre et t'as pas mis de carte? Ouais. Pense-y. Panzer même. En plus, c'est un temps d'arbre. Parfait. Allez, voilà, hop. Alors. Je suis pas chiant, moi, comme garçon. Je crois que ça marche. Vas-y, montre-nous. Tu peux faire des trucs un peu sympas. Je vais payer un orange. Oui. Pour jouer un badger. Le blaireau. Ok, comme du coup, tu joues un blaireau avec du orange, tu peux mettre un comme truc gratuit. Comme c'est une papate. Ouais. Je pioche une carte. Ouais. Je la pioche forcément de la... Oui, forcément. Ok. Et je peux remettre une papate. Ouais, sans bonus. Bien. Attention. Tu paieras pas son coup, mais tu auras pas le bonus. Oui, il y a un bonus de pause. Ouais. Ok. Et ben, je vais poser un petit Foxy. Alors là, est-ce que c'est play ou pas? Est-ce que du coup, ça te refait piocher ou pas? Ça m'intéresse aussi, puisqu'on a la même méta. Placé dans votre forêt, donc je pense que tu ne joues pas. Je pense que tu repioches pas sur ça, en fait. Ah, oui, d'accord. C'est pas ce que tu voulais faire? Déjà, en fait, c'était juste récupérer une carte et la jouer. Après. Okay. Ça aurait été bonus, de piocher une autre carte, mais comme tu m'as dit que les effets s'appliquaient pas. Alors, ça, c'est sûr que tu le fais pas parce que l'effet s'applique oui. pas. Et la question, c'est comme tu as joué un truc comme ça, comme tu as posé un truc comme ça grâce à ça, est-ce que tu repioches ouais. Je pense que ça ne fonctionne pas en plus parce que tu n'as pas techniquement joué quelque chose. Je vérifie quand même, c'est le Fly Garlic. Bah, est-ce que tu dis que ça fait jouer non, une carte là, ou pas placer, là.
You draw the card after paying of the... Ouais, il y a marqué you draw the card after paying for the cost. Donc déjà, ils te disent, il faut payer. Ouais, donc c'est mort. Non, mais même, il y a marqué placer. Ouais. Ça me paraît trop cheaté. Et je t'assure que ça m'aurait arrangé puisque j'ai la même état. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au pire. On va devoir jouer quelque chose. Nous allons jouer cette teucar-là. Donc je vais encore poser un arbre. Je ne fais que des arbres, j'en ai la foutre des animaux. Ça fait pousser une truc. Je vais. Alors, attends, justement. Donc ça m'a coûté 1. Vas-y, hop. Je veux bien l'avoir. Et je vais piocher une carte. Il faut que tu rembourses pour avoir l'avoir. Je vais payer, effectivement. Je vais payer. Est-ce que je laisse le Hedgehog à notre ami Alice ou pas? Mais ça, j'en ai déjà un. On s'éclate. Hein. Bastien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais Elfe Noir. Non. Vas-y. Tu veux pas prendre ça pour emmerder Max? Non, j'ai Elfe Noir. Pourquoi ça m'emmerde? Ça. Ouais, non, j'ai déjà. En fait, je suis parti chausser parce que j'avais déjà ce qu'il fallait. Ok. Et eh ben, c'est toi de jouer. C'est à moi de jouer? Bah, j'avais ce qu'il fallait, mais pas ça. Je suis un vil personnage. Et je suis music. Je suis music. Quel bel organe. Merci. Hop. C'est bon. On sait pas, on en a pas mangé. Suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va poser ça. Faire 1. Et je vais faire. Oh là là, je vais comboter de fou. Vas-y, Bastien. Moi. Alors là, moi je vais jouer là. Mais non ! Madame. Tu payes en deux rouges ? Ouais. Pouah, trop fort ! Ce qui fait que je pioche 3 cartes, si j'ai bien compris. Est-ce que je pioche 3 cartes ou est-ce que j'en pioche 2 au lieu de 1 ? Pioche 3 cartes. Ouais. 1, ouais, ding, ding. 2, 3, bravo mec. Nous bien, irons. T'as pas 10 cartes en main ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout va bien. Ok. J'ai appris à compter. Play légal. Et pourtant, j'aime pas le fromage. Oui. Oui. Ok. Ça réfléchit, hein ? Un peu. Écoute, on va commencer par faire ça. Je vais reposer un arbre. Et je vais jeter. Je commence à avoir beaucoup de cartes dans les mains. Okay. Et. Parce que c'est un arbre. À vous de jouer ! Pour deux oranges, je vais jouer. Dire. Maïdir-dir-dong. Maïdir-dir-dong. Pioche une carte. Ok. Ça fait boum-boum-boum. Quoi ? Je te le dis pour plus. Ça fait pim. Ça peut t'intéresser. Non, t'as pas joué un arbre. Je réfléchis. Bon, j'ai pas le choix, moi je vais jouer un arbre, donc on va devoir refill. Ce qui m'arrange pas vraiment, parce que moi, plus la partie pion, c'est plus je gagne. Bon, j'ai pas trop le choix. Pas trop le choix, de toute façon je vais mettre des cartes là, les cartes je les reverrai. La méta de Rof, c'est de poser 8 arbres différents, je vous le dis. Si vous avez un arbre un peu rare, lui donnez pas. Si vous voyez que vous avez un arbre qu'il a pas, faut pas lui donner. C'est quoi un squeaker? Ou alors vous lui donnez mais vous crachez dans la carte avant. Qu'est-ce qu'un squeaker? Un squeaker c'est un... Ah c'est ça. C'est non. Un marcassin. Non, c'est un marcassin, c'est un bébé... C'est un bébé porc. Monsieur un bébé sanglier. Porc, nous l'avons. Je ok, suis... alors voilà ce qui va se passer. Je vais commencer par poser... Surtout, il y a un arbre qui dit que si t'as tous les arbres, tu gagnes des points. Et probablement qu'il a ça aussi. Ouais, tout à fait. Ok. Tu vois, c'est son cinquième arbre différent. Je vais poser. Non, mais ça va, ne joue pas forcément que en fonction de moi. Si, il faut jouer en fonction. Je vais poser du coup cette hawk avec ces deux trucs-là. Qui a ça et ça, ce qui me permet du coup de rejouer. Comme j'ai posé un hawk, on va aller ici. Puis je vais rejouer en reprenant ces deux cartes-là. T'avais deux taux de communes, tu les as pas posées. Non, je les ai repris. Ah, tu viens de les reprendre. Ouais, bien joué. Pourquoi tu les as repris d'ailleurs? Parce que j'ai rejoué.
D'accord, t'es trop fort, mec. Du coup, on arrive à la fin de mon tour, il y a 10 cartes. Et tout dégage. Il y a pile 10 cartes. Bah, tout dégage. Ah oui, t'avais pas le droit de faire ça. Ah bah non, il y a pas. Tu rejoues, du coup, c'est un nouveau tour. Donc, je vais pas faire ça. Donc, tu vas pas faire ça. Donc, ça veut dire que j'ai pas fait ça, et ça veut dire que j'ai pas fait ça. Ça veut dire que t'as pas posé ça qui est sur le dessus. Ok. Parce qu'en fait, en gros, si jamais je mets mes deux trucs que je vais les récupérer, ouais, à la fin de mon tour, on dit ah, il y a 10 cartes ou plus, et du coup, je perds mes crapauds. Ouais, genre, j'ai quand même mis ta crapaud là. Le crapauteur. Donc, eh ben, écoute, si c'est pas la même. C'est la fin de ton action et pas ton tour, du coup. Bah non, parce qu'il y a marqué jouer un autre tour complet après celui-ci. Ouais, donc, c'est tour. Ouais, okay. Je pense que c'est vraiment un vrai tour. Donc, tranquille, c'est pas grave. Je vais jouer du coup ça, mais je vais devoir me séparer de cartes. Triste ça. Combien de cartes en main? 10 hein. Ou alors je stall et je mets juste une petite carte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais staller moi. 9. J'ai 9 cartes. Le but c'est de. Alors, en vrai, ça je pourrais m'en débarrasser. Ça je veux garder. Ça je veux garder. Ça je veux garder. Ça je veux garder. T'as pas un truc à 0 ça je veux garder. Bah non, mais j'ai un play, tu vois. Ça je peux m'en débarrasser et en plus ça fait chier Max de pas l'avoir donc ça va, ça me va. Ça je voudrais bien le garder. Et ça, je voudrais bien. Ça, je m'en fous. Donc, mon play, ça va être de jouer ça. Donc, c'est dès que t'as intérêt à gagner. Dès que t'as 10 cartes posées, tu refiles, c'est ça? Dès à la fin de ton tour, dès que t'as 10 cartes. Moi, j'ai clairement pas 10 cartes, ça dégage. C'est même pas tu refiles, c'est. Oui, non, ouais. Ok. Je vais jouer un parasol mushroom pour 2. Whenever you play a card below a tree, piochez 1. Okay. Il va se passer des tours dans pas longtemps. Mais dans pas longtemps. Et donc, sur ces trois cartes, je vais en virer 2. En fait, ça, c'est les mêmes. Et ça... Ça dégage. Ça aurait été bien pour Alice, mais du coup, tu ne l'auras pas. Et... c'est gratuit. Et de là, tu faisais rêver, mais non. Attends, je réfléchis. Est-ce que je ne les garde pas, quand même? En fait, ce serait bien qu'on arrive à 10 cartes avant le tour d'or. No one knows what it's like. Ça m'arrangerait. C'est trop tard, là. Ça va être clair. Ouais, bon, Non. Aucun monde. Non, monde no jutsu, hein, comme on dit. C'est bon? Hop, hop, il n'y a pas de rollback. C'est terminé, je puis entendre. Attends! Trop tard. Donc j'ai fait. Des crêpes? Ça, c'était la fin de mon tour. C'est à Bastien de jouer. Vas-y, frérot. La fun. Mais pourquoi tu jettes ça, du coup? Bah parce que. Ah, t'as posé une carte. Et puis je pioche une carte, pardon. Attends, en fait, y a alors, fais les trucs. Alors, donc, tu voulais faire quoi? Bah, ça c'est bon, c'est bon. Ah, ça, t'as acheté ça. Oui. Et du coup, tu veux acheter une carte. Oui. C'est tout. C'est putain, c'est un boss. Qu'on puisse suivre un peu. Quand même. Qu'on puisse suivre. Qu'on puisse suivre. Ok. Oh oui. C'est le truc qui copie l'arbre. Ah, je sais, j'en ai une. Ah, c'est vrai, ouais, ça copie l'arbre, mais je savais pas trop pourquoi je voulais copier mon arbre. Ah, ça passe bien avec ton arbre de le copier. Genre. Ah, genre, t'as deux fois ça, ouais. Genre, il compte deux fois, en fait ouais. Bah ouais, tu vois. Ah, non, j'avais pas compris. Des fois, c'est autre chose ou pas? J'ai autre chose. J'avais pas compris. Moi, je peux pas jeter celle-là, je viens de la piocher. J'étais en mode, j'ai mal interprété le truc, en fait. Y'a pas de problème. Alors, en vrai, sur ta première partie, c'est totalement legit. Je pensais que tu pouvais dire que c'était un autre du coup, type d'arbre. T'as acheté ça, d'accord. Ouais. Mais du coup, ça vous dérange pas si je le joue là, au final? Ça me dérange pas. Merci. C'est ta vie. Vous êtes bien aimé. C'est le mec qui a replay trois fois. Hop. Je vais poser. J'adore courir, moi, de toute façon. Oh, les chauves-souris. Non, en fait. Non, je suis pas sûr. Dietri. Ah ouais, purée, ça peut aller loin, en fait. Dicky Minos. En fait, j'ai juste pioché. Hein. Ouais, ça va. Désolé, c'est décevant, mais. Vas-y, Alice. Moi, je vais récupérer le papillon. Putain, le papillon. Ouais, draw 2 aussi. Vas-y, Bastien, c'est déjà toi. Oh purée, direct. Ouais, on a pas le time. Je vais le jouer, du coup. Et je vais jeter ça. Du coup, c'est deux fois le même. Okay. Vas-y, Maxou. J'ai compris. I know Kung Fu. Ah, ça a été très vite, là. Ouais, on a pioché, on a full pioché. En fait, c'est bien au départ de gaver ta main de cartes, tu vois, c'est pas grave là si ça prend un peu de temps. Mmh. Mais faut juste penser qu'à un moment donné, je vais jouer un nain pour 0. Oui. Et je pioche. Un nain peut en cacher mais un. Mais la carte avant de piocher ou je pioche et... Non, c'est absolument rien. Je crois que c'est la même proba de toute façon. On pioche ta carte, on s'en fout.
Ah non, parce qu'après tu vas me dire ouais, mais c'est pas celle que je devais. Ah non, jamais, lui t'aurais jamais dit ça. Alors, jamais. C'est de la, c'est du, c'est du hasard. Ok. Donc, je pioche celle-là. Allez, pioche. Voilà. Je regarde quand même pour le truc. Jouer une carte. Moi, ça fait partie du coup de la carte. Donc, tu dois le faire avant. Bah non, mais c'est pas le coup, c'est le bonus. En fait, c'est, est-ce que tu fais le bonus de la carte avant de. C'est ce que je dis. Pour moi, prendre une carte de là pour la mettre là, ça fait partie du coup de la carte. Non. Très bien. Effet bonus, vous pouvez maintenant les appliquer. Alors attends, c'est pousse d'arbre, nanana, animaux et champignons. Ok, effet de la carte. Ok, c'est où le truc des arbres là? Quand vous jouez un arbre, vous payez le coût. En plus de ça, vous payez le. Jouer une carte. Chaque fois que vous jouez un arbre, vous devez également piocher la carte du sommet. Nanana. Donc effectivement, je pense que ça c'est la page 4. Et la page 5, c'est bam, effet et bonus. Donc je pense que tu as raison. Donc d'abord, tu fais tes effets d'arbre après. Ouais. Oui. On est bon ? Oui. N'ai rien écouté de ce que vous avez dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sans intérêt. C'est pas grave. Sans intérêt. C'est des détails de game design. 15% des gens qui joueront à ce jeu s'en battront à littéralement les coups. Que tu pioches, je peux changer ton. Non, c'est du hasard. Si à la place de piocher la carte ici, tu veux piocher la carte, alors là, ça marche pas avec ce jeu-là, puisqu'il y a l'hiver. Mais si tu veux piocher la carte qui est là, ça ne changera. Ça ne changera. T'as la même proba d'avoir la carte que tu cherches. Prendre les deux. Et éventuellement, tu peux invoquer le destin. Mais qui ici croit au destin ? De Lisa ? Eh ben, vous quittez cette pièce. Vous quittez cette pièce immédiatement. Exactement. Par contre, j'ai fait ton thème astral il n'y a pas longtemps. Vas-y, frérot. Ah, purée, j'ai rien compris. C'est connard. J'ai pas compris. C'est truc. C'est quoi ? Franchement, tu joues bien pour l'instant. Tu restes focus. Je sais pas ce que c'est un thème astral, c'est ça que je voulais dire. Ah, un thème astral, c'est pas ? Non. C'est quand on dit oui, alors toi, t'es né tel jour, alors du coup, ça veut dire que. En fait, Pluton était en Mercure, donc ça veut dire que t'es plutôt quelqu'un qui a un tempérament. D'où la vanne de dire il croit pas au destin, par contre, il croit au thème astral. Là. Après, quand on explique, c'est encore pire. Ah, c'est nul, hein, quand on explique une vanne, c'est nul. Vas-y, hein. Maxilane. Ah, c'est à moi de jouer, pardon, j'attendais comme un connard depuis tout à l'heure. D'accord. J'attendais comme. Encore comme du travail. Un connard. Allez, hop, on pose sous ce chestnut un petit. Ouais, non, je vais pas faire ça. Je vais le mettre là. Un petit Violet Carpenter B qui nous dit que bah du coup j'ai deux chestnuts ici. Ah. Ça me coûte un. Vous avez raison. Allez, tiens, Alice. Ouais, et du coup, comme t'as joué en arbre. Ouais. Avec un majuscule, un arbre. Oh Squeaker. Un arbre bonne. Et surtout un papillon paralysé qui est en mode un papillon. Le papillon. Regardez, un petit squeaker. Squeaker. Ok, je joue le papillon. Squeaky le pinson. Papillon pour zéro, voilà. Ok. Du vent. Ouais, bon, ça va être un tour facile. Je vais jouer birch. Avec une bonne birch. Un différent. Piocher. Attends. Ce serait bien une bonne birch. Coupez lui les jambes là, putain. On m'en parle plus. Coupez ses yeux. Je sais pas à quoi jouer là. Ça, j'ai envie de le jouer. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Désir le jouer. Quand tu le copies, tu copies son. Que son effet ou tu copies. Quand tu le copies, tu copies son type. Mais c'est pas un arbre qu'il a posé, Max. Il a dit. T'as joué un arbre là ? Max, t'as joué un arbre ? Non ? De quoi ? Ah, pas du tout. Du coup, quand je t'ai dit je mets une carte gratuite, bah, je t'écoute pas moi. Ah, parce que t'as fait un truc comme ça ? J'ai joué ça. No Squeaker, no Jutsu. C'était quoi ? C'était celui-là ? Ouais, c'était le Squeaker. Ouais, sinon je l'aurais fait en vrai. Ça veut quoi, rien dire. Ça veut juste dire que cet arbre, c'est comme si j'en avais un autre. J'ai la ref. Y a pas d'histoire de couleur de. On s'en branle. Ce qui compte, c'est juste pour cet arbre. Mais non, si mais par exemple, 3, tu vois, 9, pour un effet comme ça, est-ce que. Oui. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, est-ce que tu copies vraiment juste que l'effet ou est-ce copies que tu le copies... type d'arbre, tu copies pas la carte. Voilà. Je vais mettre donc le hawk de tout à l'heure et je vais faire le play que je voulais faire, c'est-à-dire je pose mes deux crapales. Ah, le crapale. Et il rejoue et il les reprend. Je les récupère. Alors, du coup, par contre, ça m'a mis ça, ce qui tombe très bien. Comme ça, c'est combo de... c'est bon, vas-y. C'est le combo de con. Crapale. Yes. Je vais jouer. Petit oiseau ? Le gozouk. Et je vais jeter deux cartes. Il jette deux cartes. Il prend la tête. Alors, c'est à moi de jouer.
C'est à moi de jouer. Ça voudrait dire que je pourrais faire... Attendez. Je réfléchis. C'est la première fois que ça arrive. Si je fais ça, j'ai... Non, ça marche pas. Et si je fais ça, ça marche, mais ça m'arrange pas. C'est chiant. Ok, moi je vais prendre ça. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactement ce que je voulais. À vous de jouer! Je vais prendre ça. Tout à tit à tout. Tout la li la ta li la lu la. Chit à tit à tout. Je pioche. Rapatap tout bidu da bidu da. Alors. Scapoué! Bidi bap bap. Scapoué! Qu'est-ce que c'est que ce symbole là? Yeah! Scapoué! C'est les arbres? C'est les petites fougères, non? Yeah. Tiens. Quelle est la question? Plante. Plante. C'est les trucs qu'on lavait, Micode. On va mettre des plantes en dessous, ça. Ah, mais j'en ai jamais vu. Ouais. Nope. Ce que j'en ai. Le petit train qui passe. Ok. Ok, bah moi. Je fais ça maintenant. 1, 2, 3. Ok, je vais jouer une beach. Ah non, j'en ai un autre. Donc je vais faire birch. Merde, du coup, est-ce que je le fais tout de suite ou est-ce que j'attends? Est-ce que c'est mon big turn ou pas? Vous voulez voir mon big turn? Allez! Ce qu'on veut voir, c'est un turn, surtout. Ok, vas-y mon big turn, bien sûr moi. Bien sûr moi. Alors, je sais pas si c'était le moment idéal, mais au bout d'un moment, faut le faire. Tout à l'heure, je pose que des arbres et des champignons. Donc, ils me rapportent rien, les champignons rapportent pas de plantes. Sauf que... C'est parti, je vais jouer... C'est le moment où il va dire, ah non, en fait, je peux pas, on verra autour d'après. Vous êtes prêts? 3... Mais en fait, je peux pas en verra autour d'après. Je vais plutôt faire ça maintenant. En fait, c'est mieux si j'ai 10 cartes en main, l'agent avec 9. Donc je vais faire une beach. Qui vole un œuf, vole un bœuf, hein, comme on dit. Beach qui me coûte 1, ça va me coûter un birch. Mais non, putain, c'est l'inverse que je veux faire, c'est ça. Faire ça. Ça, du coup, ça me fait piocher, on est d'accord, 1. Bah déjà, tu poses une carte. Ta. Ouais, de copier. Ça fait 0, ça fait 9 pareil. Ça fait 9 pareil. Faut que j'arrive à 8. À ta place, je jouerai à droite. Et bah, il faut que tu en poses. Faut que je pose un truc qui me fasse pas piocher. Bah, tu dépêches. Dépasse un peu sur ce bord de moi. T'en as 9. Viens chez si moi tu là. Tu poses un truc qui coûte 1 et qui fait pas piocher, t'en auras 7. Oui, c'est pour ça que je vais poser un truc qui coûte 1 et qui fait piocher, mais j'ai déjà et donc ça m'intéresse pas. Faut pas tout avoir, mon frère. Pas tout avoir. Hein. Bon, allez, je vais le faire. Il va le faire. Je pose ma taupe. Je vais le faire. Ouais. Je vais mener l'anneau. Dans la taupe, elle a plein de trucs. Elle coûte 2. Elle rapporte aucun point de victoire, mais elle permet de jouer n'importe quel nombre de cartes sans payer leur coût. En payant leur coût. Ah oui. Dans ce tour. J'ai là, c'est gagné, frère. Hein. Tu poses toute ta main, c'est bon. Ce truc-là, en vrai, c'est bien que j'ai 9 cartes parce que je crois que ce truc-là me coûte 2 cartes. Waouh. Je vais me défausser de. Waouh. Ça, c'est sûr. Et je vais me défausser de. Et ton champi trigger après? Ouais, justement. Il va se passer plein de trucs. De façon au pire, ouais, la bière, je m'en fous un peu. Abdouli Vakimfly. Abdouli Vakimfly. Ça, je garde. Donc en fait, il me reste que ça et ça. Hein. Juste prendre la birche et puis tant pis. Hein. Je me suis endormi. Tu vas y arriver. Hein. Genre piocher, toi. Ok. Alors voilà ce qui va se passer. Bon, fou. Alors là, je veux dire, mon tour va durer longtemps. Comme j'ai joué à un maul, il y a comme des trucs qui trigger. Comme à chaque fois, non? Il y a lui qui dit que whenever you play un truc ici, ouais, eh bien je pioche 1. Vas-y. Et il y a un truc qui dit que whenever you play a card below a tree, je pioche 1. Ok, cool. T'as 8 cartes là? Enfin, t'as 10 cartes. J'ai du coup. J'ai mis une carte, j'en ai pioché 2, j'ai 9 cartes. C'est ok, c'est légal. J'ai mis une carte qui m'a coûté 2. Ensuite, je vais mettre un crapaud ici. Le crapaud, il dit que jusqu'à 2 crapauds peut aller sur ce spot. Ouais. Mais si il y a 2 crapauds communs qui partagent ce spot, alors je gagnerai 5 points de victoire. Comme c'est un truc qui est en dessous d'un truc, je pioche une carte. Je vais remettre un crapaud
en dessous de ce truc-là. J'aurais pioché une carte. Attends, t'as combien de cartes en main? Suffisamment. Il y a 10. En fait, dès que je la là, je remplace. Oh, le crapoteur. Voilà. Ensuite, je vais faire un peu la même chose, mais avec les arts cette fois-ci. Je vais jouer ce truc-là. Mais comme il a des patounes, je pioche une carte. Oh, l'enfer. Puis, je vais refaire ce truc-là, qui, pareil, a des patounes, et qui, du coup, me permet de repiocher une carte. Je dois ramasser les patounes. Enfer. Ok, là, il pose plein de trucs, pour le moment, ça fait pas tant de points que ça. Je vais refaire un truc à patounes. Attends, number of open arms, measure spot. Ça, tu peux le mettre sur le même arbre. Ouais, mais justement, ça m'arrange que ce soit pas forcément sur le même arbre. Pour compléter ces arbres. Je devrais aller à droite plutôt qu'à gauche. Ce qu'il veut. Moi, parce qu'on est d'accord, c'est one per open arm, mais c'est où qu'il soit. Personne n'est même. Moi, ça m'arrange. Non, ça m'arrange de compléter. Pardon d'avoir. Je fais ça, je pioche une carte. Surtout, il faut pas qu'on le contredise. Je pioche une carte. On va avoir 10 minutes de plus. Waouh. Waouh. Spectaculaire. Oui, ça coûte 0. C'est que des coûts 0. Non, mais attends. Alors, par contre, les gars. Ouais. Ah, mais c'est lui, là. Mais c'est toi, là, qui t'étale partout. Donc cet arbre, il est à lui. Bah oui, c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. C'est à moi, arrête. C'est à moi, je l'ai posé. Eh bah, dégage. Là, t'es clairement chez lui. Ah oui, mais je vais bouger la cam. D'accord, frère, d'accord. Quand, gueule pas. J'ai réussi à capturer un arbre. Ok. Nickel. Hop. Maintenant, ton tour. Il a changé de forêt. Ok, ensuite. Je vais. Il est bon, en plus, c'est un arbre bon. Je l'ai pas. Bah, c'est une ville de France. Narbonne. Oh la femme. Un bel enculé. Hein. J'aurais pas dit. Alors pourquoi je voulais faire ça avec mes trucs? Parce qu'en fait j'ai ce machin là qui me dit que. Ouais, pour chaque arbre rempli. Pour chaque arbre occupé, je vais gagner 5. Des points, là. Donc ça m'intéresse d'avoir ça. Ça va me coûter 1. Le 1 que je vais dépenser, ça va être le haut, je pense. Je suis même pas sûr d'avoir le truc. Tu vas piocher 1. Du coup, je repioche 1, mais comme c'est un truc comme ça, je repioche 1 de plus. T'as combien de cartes là? Bah non, j'ai toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce qu'en fait quand je pose, je pioche, mais c'est pareil. Ok, il ensuite. Il remplace juste la carte qui pose. Je vais. Des patounes! Beau combo, hein. Ouais. Le combo patounes. Je vais poser. Cet arbre-là me rapporte 5 pour une carte. Est-ce que c'est worth de prendre 5 pour une carte gratuite? Je crois que oui. Hein. Je vais poser un Douglas Fear encore. Avec les deux cartes qui sont là. Le Mac Douglas. Et comme du coup. Ah, mais non. Eh oui, mais non. Ah, tu rejoues si t'as les cartes de la même couleur. Je rejoue, mais qu'en fait, quand je rejouerai, du coup, je ne serai plus sur la maule. Là, je suis encore en maule. Ou tu joues des animaux. La vie privée des animaux. Ok, je joue mes lynx. Ouais, parce que comme il a pioché plein de nouvelles cartes, bah du coup. Bah oui, c'est pour ça, je fais ce que je peux, mais. Je vais jouer un lynx. Ouais. Un lynx qui me coûte 1. Qui a une patoune. Qui a une patoune. Mais il faut que tu aies un rodir pour qu'il soit intéressant. Ouais. Un rodir. Pas encore. Je vais piocher une carte parce que c'est un ça. Elle l'a juste posé parce qu'il pouvait. Quoi. Bah ouais, je me dis. Bah ça le fait piocher. Hein. Ouais, mais bon. Ça remplit aussi un arbre d'un truc qui ne t'apportera peut-être pas de ça points. Ça me va de remplir. C'est la dingue. J'avais plein d'arbres. Ouais. Mais... Je vais le refaire. En défaussant. Bitch. Je suis à la fois. Une carte. T'es impressionné, je suis en mode c'est cool que les gens puissent voir un beau play. Et à la fin, putain, c'est long. Ah, je suis désolé, frère. Ouais, c'est pas de ta faute, mais. Si. Un peu quand même. Mais je sais même pas ce que je vais jouer en plus. Ça m'a perdu. Je vais poser une carte en dessous d'un arbre. Coup de 0. Comme j'ai posé une carte en dessous d'un arbre, je pioche une carte. Le chat, vous êtes impressionnant ou quoi? Et ça coûte 0 tout ça? Bah en fait, il a. Ça m'a coûté, mais j'ai des fausses. À chaque fois, il paye des trucs et puis il récupère des cartes. Je vais jouer Birch gratuitement. Je pioche une carte. Mais qui peut le stopper? Je fais ça. En fait, il faut savoir que Rof, quand il joue un jeu de cartes, lui, il lit pas les effets comme nous à dire « Ah, ça fait tel effet, c'est cool ». Lui, il regarde une chose, c'est « Qu'est-ce qui fait du card d'avantage ?» Donc là, en gros, il est en mode « J'ai eu plus de cartes que tous les autres joueurs, donc j'ai gagné ». Et il a raison. Bon, après, est-ce que c'est agréable pour les autres joueurs? Non, mais bon. Lui, il n'est pas là pour nous faire plaisir. Hein. Je confirme. Il est là pour gagner. Hein. Ok. Donc là, je pense que j'ai arrêté ma boucle. Ah non, putain, je peux faire ça aussi. Ah, est-ce que moi, ça fait des points? Bah ça, on verra à la fin. Pour l'instant, on verra. Ouais. J'ai l'impression que pour le moment, c'est pas... Tu sais, c'est impressionnant parce que ça combotte. Mais bon, c'est des trucs qui font un point, zéro point. En fait, ça se combotte. Quand je botte, je combotte.
Alors là, typiquement, par pitié, lui laissez pas un roadier, quoi. Parce que ça va lui donner trop de points. Mettre ça ici, piocher une carte. C'est quoi un roadier? Oh, roadier. Ça. No roadier, no jutsu. Je vais mettre un European art, piocher une carte. N'hésite pas à faire deux colonnes de. Enfin, deux lignes de 5. Je peux le mettre là, je vais le mettre. Ça fait. Là. N'hésite pas à faire deux lignes de 5 arbres. Ouais, ouais, bah dès que je pourrai. Ok, ensuite, ça. Très bien, parce que je l'ai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais pouvoir le poser et je crois que ça va être la fin de mon tour. Allez, viens. Suis-nous. De toute façon, ne pas trop piocher. Non, mais à chaque fois, il pioche. Maximum 2 sur les trucs qui lui coûtent minimum 2. Ouais. On va arriver à l'hiver bientôt. Quoi. Oui, c'est un peu le problème, c'est que ça me donne ça. Ah oui, il arrête pas de piocher et à un moment, il va finir la game tout seul. Moi, je peins les murs en lit vert, en lit rouge. Je vais remettre un Douglas. Ah, donc là, c'est le moment où je vais arrêter mon tour. En fait, si je fais ça, ça me rapporte ça. Ouais, ça peut être intéressant. C'est quoi, Agnat? Je vais mettre un papillon. Cafard. Ici. Un insecte. Du coup, je pioche pas de cartes. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un grenade, ça ? Là, c'est l'icône correspondante, en fait. Il y a une icône à côté. Oh, non, il y a pas. Je vais mettre un autre papillon ici. Je pioche pas de cartes. Ah, bah, du coup. Non, bah, ça doit être un truc précis, alors. C'est-à-dire que tu l'as dans le nom. Et ouais. Enfin, je ouais. Vais jouer. Je paye un grenade. Un Silver Fear. Pas le mulot ou un truc comme ça. Ok, je paye 2. Je vais payer 2 Méosef. Au c'est Canada. Et du coup, je ne fais pas l'effet. Et en plus, il clear le. Je rajoute ça parce que j'ai posé un arbre. Et on clear. Pas mon tour. Ah, super, il y a plein de trucs intéressants. Et ça dégage. J'ai fini mon tour. Et il a retiré un tiers de la pile. Alors, bah, c'est pour accélérer les choses. C'est pas aussi impressionnant, mais regardez, ça va être pas mal. Je vais piocher une carte et une deuxième. Merci. Allez. Bah moi du coup le problème c'est que je vois que c'est bientôt la fin du jeu, je suis en mode bah super, j'avais des plans, je peux rien faire. Super, off, il va avoir 50 points de plus que tout le monde. C'est hyper décevant. Après, bah vas-y hein. En vrai je sais pas si je l'ai fait au bon moment. Je pose ça, t'as dû attendre encore. Ça me coûte une carte. Merci, au revoir, à vous de jouer. Je paye 2, je joue un Red Fox. Du coup j'ai 2 European Air. Non, j'en ai pas. T'as tes amis. Donc je pioche pas. Et par contre, j'ai joué le papa, donc je pioche une carte. Mmh. Et c'est l'hiver. Ok, premier hiver. Donc là, on arrive. Du coup, j'ai pas le droit de repiocher une carte. Si, bien sûr. Si. Merci. À toi, Rof. Ouais, je réfléchis. Là, mets un arbre. Attends, il a tous les arbres là ? Non, il m'en manque un. Il a bon, regarde, ça va me baiser. Les arbres de la forêt. Regarde lequel. Il m'en manque un, ça va me baiser. Lequel Je pioche. Je crois que c'est celui c'est de pas base. Le chestnut là. Ouais, c'est celui-là. Et en fait, comme vous le voulez tous, du coup, depuis tout à l'heure, je l'ai pas. Donc, faut que je le piffe là-dedans. 1. Tu l'auras pas, gros. 2. Vas-y. Jamais. Bastien. J'ai essayé de comprendre un truc, mais tu peux avoir ça juste 2 secondes. Merci Jean-Paulo. Oh! Ah! Tiens, je le prête. Je vais jouer ça. Ok. Acheter ça. Oh non. Il a posé un arbre, il a payé avec un autre arbre. Acheter ça. Ah, t'as posé un arbre? Ouais. Ouais. Ok. À mon tour de jouer, je vais poser cette batte. Et je vais payer. Comme ceci, merci à vous de jouer. Afrique. Oh, j'ai faim. Je vais récupérer 2 cartes. Celle-là. Et je vérifie ce dont j'ai besoin. Lélélé. Ah là là là! Dabidabou. Dabidabalalala. Off à toi. On voit clairement un problème sur le plateau de jeu. 2. Oh! Bonne pioche. Il y en a qu'un, ça va. C'est bon, je peux gagner tranquille. Vas-y, tu peux. Ah, moi? Ouais. Quel jeu. Je prends ça. Ah, bah, depuis tout à l'heure, je draw comme une salope, je peux aussi en avoir. Vas-y. Ok, à moi.
Je vais poser un autre biche. La biche lorraine. Je vais poser un autre biche qui va me permettre de piocher une carte. Alors, pardon, il fallait que je paye, par contre. Je vais donc payer avec ceci. À vous de jouer. Je vais payer... Daboudami, da, da, da. Un pour jouer... Pitch ou ma pitch. Je pioche une carte et comme c'est une papa, je pioche une deuxième carte. Ok. Prof. Ouais. Là, on va partir là-dessus. Et je vais. Alors, attends, qu'est-ce que je pourrais prendre du coup comme truc qui font des bonus? Je crois que je prends le birch. Vas-y. Je vais jouer. Ça t'a joué, c'est bon? Ouais, à toi. Je joue un Wooloo et okay. Je jette 3 bleus. Oh là là. Fait que du coup je rejoue. Ouais. Mais d'abord je pioche par pour chaque truc, j'en ai qu'un. J'en pioche une. C'est tout. Attends, et je vais rejouer. C'était quoi le jeu pioche pour chaque truc? Là je pioche une carte pour chaque serre que j'ai. J'en ai qu'un. Ouais, d'accord, ok. Donc j'ai 5 points par serre que j'ai, j'en ai un. Et je rejoue. Et comme je rejoue. Et je remets le son. Oui, on met le je reprends lui. Et je vais prendre. Ça fait quoi déjà ça? Vas-y, Maxou. Ok. Alice. Ouais. Dabidabou. Ah là là! Pardon, excusez-moi. Je... De toute façon, avec du lait, 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 on peut mettre du chocolat. Pas ouf. Ah ouais. C'est toi qui as peint ? Oui. Ça se voit. Ouais. On m'en fout tant que ça se voit pas la carte. J'ai joué un sycomore. Ok. Et c'est un arbre. Et c'est un arbre. Hop. Off. Un pose ton arbre avant la fin du jeu. Hein. Ouais, j'en suis. Avec un majuscule, un arbre. Bon, ça va, il reste encore un morceau, non? Bah non, mais en fait, ici, ah, il peut y avoir les deux hivers à la suite. Hein. Là, on peut s'arrêter. Le mec, puis pioche une carte, il fait hiver, on arrête. Ça peut s'arrêter à tout moment, à partir de maintenant. Ouais, mais il faut que ce soit dans la dernière. On est dans la dernière. À partir, on a rêvé le premier tiers. Le dernier tiers. Ah, j'ai mélangé. C'est là. Donc ça peut être maintenant. Je vais effectivement le mettre maintenant pour pas jouer avec le feu. Donc on va le mettre et on va défausser un bir, je pense. Vas-y frérot, je vais donc. Oui, tu remets ça, vas-y. À toi. Je joue lui. Je jette lui. C'était quoi un arbre? Ouais, donc je peux faire. Ah bah tiens. Oh, attends. Ouais, c'est ce que j'allais faire. 5. Ça fait 9. Ça fait 9. C'est à moi de jouer. C'est vrai? Je vais prendre ça. Et ça, c'est à vous. Je n'arriverai jamais à faire mon play. Et du coup, c'est chiant. Regarde comme il fait chaud. Badam badapapam. T'as joué? Ah oui. Ah oui, pardon. T'as joué? C'est bon, t'as bu? Trois. Pose okay. Quoi? Je vais jouer un ours. Un ours, c'est tu. Ah oui, ah ça oui, y est, c'est le moment. Allez, hop voilà. Là. Bel arbre, bel ours. Ça, c'est un bel ours. Il n'y a que 2 points de main, ça va? Un ours à 11, on est beau. Staroff? 3, pardon. Je vais mettre ça, ça paraît cool. Alors, je vais mettre ça en dessous de là. Comme j'ai mis un truc en dessous, je pioche une carte. Ça c'est chiant, je vais piocher 2 cartes. Et c'était oh non papa... C'était une papa, je pioche. J'ai oublié. Vas-y. Tu m'as fait peur. J'ai peur. Arrêtez de piocher là. Dabou dabi. Je vais avoir reposé 3 cartes à la fin du jeu, ça va me dégoûter. Passe à toi Max. 1. A vous de jouer. Putain, fais chier. 2 raccoons. Et bah je vais les prendre. À toi, Rof. Je vais rejouer ça. En dessous, piocher une carte.
Sébastien. Je vais jouer Jean-Pipi ou ça. Regarde comme il fait mal. Je vais jouer ça et je vais têche ça. Ok. Et du coup, je pioche une carte. Waouh, grand pas. Je pose enfin mon quatrième beach et je suis très heureux de relâcher cette merde. Tiens, un horse chestnut. Ah bah, ça tombe bien, c'est celui que je devais piocher parce que j'ai posé un beach. Par contre, là où j'ai le seum, c'est que sur le beach d'avant, j'ai pas pioché. Tant pis, c'est de ma faute. Et du coup... Wait. On a dit que du coup, d'abord, c'était ça, puis tu piochais. Du coup, tu le sais. Ça va. Et du coup, je le prends. Je comprends rien. J'entends. Ce n'était pas ma volonté de tricher, les amis. Ouais. C'était le destin que je l'ai pas. C'est le voilà, c'est le destin, je vais y croire. À toi. C'est long. Poum poum, kili poum poum, kili poum poum. Ouais, je réfléchis deux secondes. Si je fais ça, ça me fait ça. C'est pas ouf. Qu'est-ce qui me permet d'avoir. Ah, c'est lui qui me permet d'avoir 10 si j'ai ça. Le beach, c'est quoi? C'est ça? Moi, ça m'intéresse de faire ça du coup. Je mettrais un 6. Ouais, en plus, sinon, Ruff le prenait. Non, il l'a déjà. Il l'a déjà. M'intéresse pas. Ah, il l'a dans sa main. Il en a rien à faire. Je l'ai posé il y a 1000 ans. Et je me fous que tu le prennes aussi. Franchement, j'étais juste en mode. Ah, bah c'était ça que oui, je devais prendre et en plus ça m'arrange. Je l'ai pas. Hein, tout s'arrange avec une mais orange. J'avais pas vu que Rof il avait commencé une deuxième ligne d'art avant là. Ah, bah ouais, mais. En fait, il en a 8, il en posera pas d'autres. C'est bon. Je vais mettre un Red Squirrel ici. Alors attends, est-ce qu'il vaut mieux le mettre là ou là? Doubidouba, douba. C'est si t'as un Hawk. Doubidoubidouba. Ouais, mais en fait, lui il me dit que c'est où? J'ai 5 pour chaque arbre occupé, donc si je le pose là, c'est pareil. Bref, je vais le poser au-dessus du Hawk. Je vais du coup piocher une carte parce que c'est une patoune. Vas-y. Waouh. Toi, Bastien. Je vais jouer lui. Ok. Ouais. Alors, est-ce que t'es sûr que tu veux faire ça? Permets. Ah oui, il faut qu'il y ait un... Ah non, il faut qu'il y ait une chauve-souris. Ouais, en fait, je... Une chauve-souris sur 7 arbres. C'est là que je vais le mettre plutôt, pardon. Non plus. Bah, il y a pas de chauve-souris. La chauve-souris, elle est forcément à gauche ou à droite, donc en vrai, mieux que tu le mettes sur un arbre qui est vide. Qui est libre. Je pensais qu'elle était en haut, la chauve-souris, pardon. Ah non, la chauve-souris est à gauche. La conne, elle est à la chauve-souris, Max. La chauve-souris, elle est de l'autre côté de lui. Oui, oui, t'es. En général, la. Oui, à partir du moment où tu la vois d'un côté, elle sera forcément soit de l'un, soit de l'autre. C'est clarinette. Tu vas jamais faire ce que tu veux. C'est à ton clarinette. Tour. Je vais poser un nouveau biche, enfin non, un oiseau à biche sur une biche. Mm-hmm. Biche, ma biche. Ça me coûte un arbre de merde. À vous de jouer. Je vais payer 1 pour jouer un petit lynx. Et le drôme à papa, je pioche. Ok. Je pose un arbre à 0. Je vais du coup d'abord faire l'effet de l'arbre. Puis piocher une carte. J'entends. Attends. Moi je vais prendre ça. Ainsi que ça. Oh, c'est l'hiver. Ok. Okay. Prochaine carte hiver, c'est fini. On arrête. C'est pas l'hiver. Bon, bah ça commence à être tendu du string. L'hiver, du coup, moi, je vais poser cette Firefly, ici. Enfin, à vous de jouer. You don't believe your eyes. 10 million Fireflies. J'aime bien. Ball City. A pris la tête. C'est à toi, Alice. Hein. Ouais. Alice, c'est à toi. Non, je préfère le dire au cas où elle n'avait pas entendu. Yes. Alice, dépêche-toi, Alice, s'il te plaît. Alice. On parle de ton tour de jeu ou pas? J'avoue l'enfoiré, il a joué tout seul pendant 30 minutes. Alistin, boule. Tu vas trop vite, Max, comment ça je vais trop vite? T'as joué un arbre et t'as pas pioché, t'as pas fait de trop. Non, j'ai pas joué d'arbre. Non, peut-être qu'ils te disent juste. Je vais poser ça, j'ai mis ça. Non, mais c'était il y a longtemps qu'il y a eu ce message. Ah, peut-être. T'es même pas né. En fait, il y a un truc qui est un j'ai peu. J'ai juste joué une grenouille. Voilà. Je sais que ça fonctionne souvent comme ça, c'est quand Rof met 1000 ans à jouer. Moi d'ailleurs j'accélère comme pour rattraper le temps perdu. Comme si ça allait. Parce que je suis en comme mode. Dans le temps. Je suis en mode. Mais putain, les gens viennent de se faire chier pendant 10 minutes, faut qu'on. Alors. J'entends. Là. Musique. Il fait la prod. Il y a une chance sur 24 que ça s'arrête. Il va piocher la moitié.
Et ça va être fini. Je pense que. Alors attends, il y en a un. Sur 24, ça s'arrête maintenant. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard, j'entends. Je vais mettre lui, tant pis, je ferai pas l'effet. Ah, je comprends. Je vais défausser deux cartes de merde, à savoir ceci. Ah, ça lui donne 10 points, il est content. Et ça me donne 10 points, on est content. Enfin, ça me donne plus que 10 points parce que j'avais besoin de 10. C'est où ? J'avais besoin de 10 arbres dans ma forêt pour pouvoir faire oh, ça. Quel sale. J'ai 20 points en un arbre, on va le prendre. Hein. Et du coup, ça fait ça. Je vais il a gagné 10 fois, je vous le dis. Je vais virer. Je sais même pas pourquoi on joue. Ça. Non, c'est une patoune. Parce qu'on s'amuse. Je vais virer. Attends, elle là ou pas celle-ci ? Là, celui-là ou pas ? Allez où ? Allez où ? Je vais jouer celui-là. je vais. Comme j'ai posé un arbre. Oh non ! Oh, il est pour qui celui-là ? Je m'entamponne l'oignon. Là, surtout que s'il le prend, il peut pas le jouer maintenant et probablement il aura pas le temps de le jouer. Et voilà, alors que là je peux faire plus de points. C'est à moi de jouer ? Vas-y. Je joue un cerf. Oui. Ouais. Je l'ai en tas. Mais je peux pas le jouer en bleu parce que j'ai pas de bleu. Ça ah, fait 20 ans que j'essaie de le jouer mais je n'y arrive pas. Oh, putain, il y a un combo de malade là. On aura évidemment pas le temps de le jouer mais ah il ouais. y a des combos de fou. Maxildan. Est-ce que je prends le risque ? Ouais, c'est un peu le risque hein. Donc avec chance sur 23 du coup. T'as pas bah, finir là. Moi, bah non, mais moi j'ai de quoi en fait me dire si on finit maintenant, je suis tranquille. Mais. Fais tranquille. Tranquillo, Arturito. Il me faudrait deux tours. S'il vous plaît, laissez-moi deux tours. Rajoutant, ça fait 6, ça fait 7. Non, c'est 100% rentable. C'est donc ça qu'il faut que je fasse en même temps, ça c'est tif. Non, il n'y a pas de limite d'art par joueur. Il n'y a pas de limite d'art par joueur. Il y a même une carte qui demande d'en avoir 10. Ok. Ouais, au moins. Je fais ça. Je vais peut-être regretter, mais de toute façon, perdu pour perdu. Je regrette pas, mec. Perdu pour perdu, le. Ne regrette jamais ton plaid. Je vais payer 3. Ce qu'on aime, c'est le jambon. Pour jouer à un nounours, je récupère la clairière. Oh là là. Et je pioche une carte parce que c'est une papate. Et là, c'est un arbre, c'est un Noël. C'est Noël. T'es déçu ou pas? C'est ça, hein. Ouais. Donc, t'as pioché, c'est pas l'hiver. J'en suis à 22. Ok. Oh, t'as tout mis dans. Oh là là. La cave est remplie. Mettre un... Viens dans ma cave. Oh putain. Oh, il vient chez moi encore. Une carte. On avait un Agnat, du coup, il était là. Ah ouais. C'est toi qui l'as acheté. C'est pas l'hiver. Next. Ah ouais. C'est pas l'hiver à toi. C'est pas l'hiver. Ah non, il pioche. Bah, j'ai pas le choix. Hein. C'est pas l'hiver. Pas l'hiver. Pas l'hiver. 3, 4, 5. Ok, moi je vais, avant de le regretter, je vais jouer ceci. 19. Qui me permet. Alors, d'accord, hein, c'est 10 points pour les deux. Pour Gryffondor ? Ah non, pas. C'est pas 20-20. Enfin, c'est pas. Pas 10-10. C'est comme les papillons ? Je sais pas. Ah, les papillons, c'est par papillon différent. Et là, il y a marqué ? Là, il y a rien écrit. Il y a marqué 2-10 pour moi, tu gagnes 20 là. Hein. Ouais. David Abou. Je suis pas sûr. Je pense que, en gros, je pense que l'icône, ça dit 2 lucioles égale 10. Ah d'accord. Moi, je pense que c'est comme 10. Les papillons, tu crois ? Ouais, je pense que c'est comme. Ah oui, parce qu'en fait, les papillons, c'est différent alors que les lucioles, c'est pareil. Oui, non, je pense que c'est pareil. Ouais, mais en du fait, coup, si je repose. Deux cartes à 20. Deux cartes qui feraient 10 pour 0. Ouais. Et du coup, si je repose un papillon qui est identique, non. Est-ce que les deux papillons non. font. Non, non. Genre, ouais, les papillons, ils okay. se comptent tous. Vous comptez-vous ? C'est des familles, en fait. C'est le jeu, c'est cette famille. Ouais, c'est ça. Ok. Vas-y. Comptez-vous. Eh ben, je vais piocher, hein. Attention, une chance sur 19. Putain. Deux cartes en plus. Une. Et alors peut-être. C'est pas la fin. Alors que. L'idéal. Putain, ça fait chier de donner un tour de plus à Rof. L'idéal serait que ce soit la fin maintenant. Genre, je pose un truc, comme c'est un truc qui est en dessous, alors je pioche une carte et je révèle l'hiver. Voilà. Allez. Oh le stress. Je jette un arbre. Oh le stress. Ah, tu poses un arbre et t'as. Ah putain, comme c'est un arbre. Attention. Mais il y en a combien de Butterfly parce que c'est la folie. J'en ai vu que 3 différents là. Il a très peu de points. Ah non, mais Rof il en a. Alors du coup. Sarah, ok, je crois que le meilleur play. Oh, c'est nul hein, mais je vais le faire. En fait, je peux soit jouer un arbre, soit jouer une bestiole. Les deux me rapportent le même nombre de points. Mais du coup, je préfère jouer une bestiole parce que ça ne me fait pas piocher une carte. Et donc ça recule. Ouais, de... je vois. J'ai plus de chance. Donc je vais mettre cette Violet Carpenter Bee. Pour avoir en tout 4 chestnuts, je suis plutôt content. Ça me coûte une carte. Fin de mon tour. Vas-y Alice, nous te regardons. Nous te jugeons très fort. Vous
Vous allez me détester. Oh là là, il pioche deux cartes. Rabouigen. C'est ça ? Je peux. Bah, c'est 3 points. Pas dingue. Est-ce que... À ta place, j'aurais pas fait comme ça. En vrai, c'est... Et l'oiseau, il vaut combien ? L'oiseau, il vaut de la merde. L'oiseophage ? Pas dingue. J'ai pas d'insectes. Je vais poser l'arbre, je vais poser l'arbre. Il y a un truc qui fait un son... Oui. C'est moi. Non ? Je sais pas, la prochaine fois que ça arrive, je vous le dirai. Et c'est pas l'hiver. C'est pas l'hiver. L'hiver d'eau, l'hiver de coca. Allez. Réfléchis. Et ça sur YouTube, c'est pas si compliqué, ça s'appelle. En ce moment, il a pas le temps d'en faire. Ah, en vrai, vous pouvez faire les règles des jeux de cartes simples comme ça en short. Ou un TikTok, comme ça on commence à jouer plus vite. Ah, c'est l'hiver, ça commence à être en fait, je le fais, sauf que ça prend du temps, de l'argent, parce qu'il y a du montage, il y a du motion design, et les éditeurs, ils sont pas prêts à payer ça. Je pioche ça, et... Et je peux même vous donner la raison. Ils ont pas envie de payer ça, parce que expliquer les règles de manière courte, ce sont des vidéos qui intéressent des gens qui ont déjà acheté le jeu. Donc ils sont en mode, bah... Oui, c'est vrai. Ils ont tort, évidemment, mais... Ah, surtout qu'il y a... Non, c'est vrai, en plus. Comme c'est un milieu qui n'a pas énormément de moyens, c'est en général un milieu qui préfère prendre une plus grosse part de gâteau plutôt que d'agrandir le gâteau. Waouh. Et il veut finir la partie. Il se fait chier. Ah, j'avais rien, donc autant que ça se finisse. Et ben bah, moi, j'aimerais poser cette carte, parce que comme j'ai plus de carte en main, bah, je peux pas la payer le coup. Donc on va faire ça et puis on va faire ça histoire d'éloigner un peu la fin, mais je pense que de toute façon moi en gros j'ai fini, ce que je vais poser en plus c'est du bonus. Oh, c'est des bonus à 10 points de victoire à chaque tour. Là chaque tour que je vais faire c'est 10 points, mais bon, à mon avis c'est fini là. Aïs, pose un truc. Ça fait 4 tours qu'on dit à mon avis c'est fini. Non, je peux pas poser, enfin je vais pas poser. Donc, j'espère que c'est la dernière carte, frère. Ça peut, hein. Tu peux regarder? Non. Il y a ce petit stress. Hein, ça marche. Et, hein, c'est ça pas marche, mal. Ça marche. Attention. Et tu vois, s'il y avait cette histoire de... Je pense que c'est pour ça qu'ils le font. Ils assument le côté injuste. Parce qu'il y a vraiment ce côté de... Faut se dépêcher. C'est pas ça, c'est le côté... Ah bah ça accélère la partie à la fin. Ce stress fondamental qui est un peu agréable de dire « Ah putain, à tout moment, ça peut s'arrêter. » Si on disait « On finit le tour », ce serait pas du tout pareil. Tu seras en mode « Ok, bah, j'ai calculé. Si tu pioches, c'est pas grave. » Ok. Quid d'un truc qui dit « Si vous piochez la troisième carte hiver, vous rapporte, je sais pas, 3 points de victoire, peu importe. Les autres joueurs. Vous la gardez en votre main, et si jamais c'est la fin d'un tour complet, tu la révèles et tu dis c'était fini. Allez, ça c'est vraiment pour faire chier quoi. Bah ouais, mais au moins les c'est. Les gens vont se tromper. Bon, à moi, je vais jouer Falodir. Non, je vais jouer Rodir, pardon. L'autre a été moins intéressante. Rodir qui me rapporte 20 points. Voilà, on l'a joué. À partir du moment où tu lâches. Putain, vous avez donné un Rodir. Bah ouais. Non, il a pioché un Rodir, vous lui avez donné. Non, elle était là. Oh, elle attendait que ça. Elle attendait que ça, la coquine. Je vais faire ça et ça. Pour la jouer, ça va pas me faire d'effet, mais attends, excuse-moi, mais en fait c'est du bleu, c'est du vert qu'il fallait. Bah tu t'en fous. Donc j'ai vert et vert. Ah oui. Ça me permet de piocher une carte. C'est cool. Mais non. Peut-être que c'est la fin. Vas-y. Ah, il dégoûte. Bastien. Salut, ça va? Attends, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce qui me fait le plus de. En fait, depuis tout à l'heure, je crois que c'était le ping. C'est Falodir. C'est ça qui me fait le plus de ping. Ça me fait le plus de ping. Du coup, tu joues une bestiole qui te coûte 1, c'est ça ? 2 points. Ok. Eh bien, je rejoue un Horse Chestnut qui me coûte 1. Et. Attention ! Chance sur 10, je crois. Fin ! Non. Nein, nein, allez, tu vois, ça marche bien. Ça marche pas mal. Je suis deck parce que j'en ai encore un et je peux pas le jouer, j'ai plus de carte en main. À chaque fois, je vais mettre 2 tours à jouer à un truc de plus. Et bah, moi, je vais rejoindre un arbre aussi. 9, 9, un chestnut. Et une chance sur 9. Eh, prenez des cartes ici plutôt. Je joue ça. Prenez des crêpes. Ouais. Je mets ça. Quoi, t'as 3 oiseaux, c'est ça? Non, c'est faux quoi? Non, mais c'est. Dis si j'ai plus de dark que tout le monde, donc on va. Ouais, bah. Mais en plus, il a tout ce qu'il lui faut, ce fils de pute. C'est horrible. Ça va? Vas-y.
C'est fini. Et c'est l'hiver, ça m'arrange tellement, mais c'est le meilleur moment. Oh. C'est le moment où j'ai plus de cartes en main. T'es vraiment un troll, toi. Il aurait fallu un tour de plus. Bah, j'ai plus rien. C'est bon, t'avais plus de cartes en main. Bah oui. Ouais, bah t'as pas le choix. Hein. Mais non, il pouvait prendre des trucs ici. Je pouvais. Ah oui, c'est vrai, t'es un connard. Bah oui, c'est vrai. Il prenait un petit papillon, il le mettait, il était content. Bon, un papillon. Bah après. Ça aurait été mon tour, j'aurais pris un truc là, ça aurait été son tour, alors il aurait sûrement fait autre chose. Enfin, il y a peu de chances que ça revienne à moi, quoi. Et là, les amis, c'est là. Toi, où... en plus, t'aurais pioché là parce que t'aurais été en mode ça m'arrange. Les cartes arrête, qu'on a en main, on s'en fout. Les cartes qu'on a en main, on s'en fout. Effectivement, tu peux les virer. C'est le moment de compter les points de victoire et pour que ce soit très clair pour tous ceux qui nous regardent, on va le faire. Joueur après joueur. Ouais, je commence. Hop. Vas-y, j'ai ma petite calculatrice, mon cher Maxildan, je suis à toi. On est parti. Alors, ça va aller assez vite, on va terminer par Rof qui lui a 10 milliards de points. On y va. Vas-y. Lui, c'est deux. Ah oui, je suis un peu con. Oh, c'est pas grave, j'ai pas réfléchi. Bah, mais moi, j'essaie d'aller vite du coup. C'est deux par carte attachée à ce truc. Évidemment, comme je suis un connard, j'ai joué des trucs ailleurs. Ça vaut 4. Vas-y. Ça vaut 4. Ensuite, donc ça, c'est bon. Ensuite, ici, c'est 15 points si une batte occupe cette zone. C'est le cas, donc plus 15. Bien ça. C'est rentable. Ensuite, ici, c'est 5 si j'ai 3 battes différentes. Il se trouve que j'ai 1, 2, 3, donc ça fait 5, 5, 5. Donc tu peux me compter 15 okay. pour chaque batte. Enfin, pardon, 5 pour chaque batte, donc 15 en tout. Ouais, ouais. Voilà, j'enlève au fur et à mesure, hein, comme ça on sait. Ici, c'est 5 s'il y a au moins 4 bits dans ma forêt. Il y a 4 bits dans ma forêt, donc c'est 5, 5, 5, 5. Bah, c'est pas points. Mal, Max, il donne. Non, mais ta gueule. Et voilà, on ensuite, essaie de tirer vers le haut. Non, c'est 5. Ça fait des combos quoi. 5 pour chaque oiseau qui était posé sur un beach. Okay. Donc ça fait 10, c'est ça? 10. Ouais, je fais des combos, mais gros, t'as cassé le jeu, t'as fini le jeu. Ensuite, j'ai Chestnut, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 25 points. Parce que t'as doublé. Parce que j'ai 2 Violet Carpenter Bee là. Hein. Attends. Et Chestnut te rapporte combien? Allez, je te la refais. Ouais. Parce que tu me fais pas confiance et que ça me vexe. Hein. Donc j'ai ça, ça compte mon Carpenter Bee, enfin mon Chestnut comme un en autre. En fait, c'est flat, c'est si jamais t'as 5 trucs comme ça, t'as 25 et basta, t'as pas. C'est pas... J'ai jamais dit que ça faisait 25. Mais je te, comment dire, je t'agresse pas, je voudrais juste être sûr. Je croyais que c'était en fait. Tu sais, il y a deux façons de compter ce genre de points. C'est soit c'est. Tu as, moi par exemple, les European A, ils me disent tu as un point par truc. Oui, mais là. Donc là, tu les comptes. Donc là, en l'occurrence, t'as juste à est-ce dire. Est-ce que j'ai dit ça? Mais c'est pas une. Je voulais pas te contredire, je voulais que tu précises. Tu voulais contredire? Non, pas du tout. Bref, j'en ai 5, c'est 25 points. Bref, je vais travailler. Voilà. J'avais 2 Firefly, donc c'est 10 points. Ouais. J'avais cet oiseau de merde, c'est 5 points. Moi, j'ai pas fait grand chose. J'avais rien dans ma cave. 104 points. C'est pas mal, hein, la dernière fois. Ah, c'est pas dingo. 104, moi, c'est pas mal. Je pense ça va. On passe à Alice. Moi, j'ai vraiment. Alors. Par 5 par arbre occupé, donc ça me fait 10. Ok. 5. Oui, donc t'as 2 arbres occupés, c'est ça? Ouais. Okay. Un point flat. Ah, c'est dommage, il te manquait une carte. T'as le seul. Ouais, il manquait un tour parce que j'avais la carte. Sébastien. Les papillons, j'en ai 3. T'as pas pris, ça. Ah, c'est 6 points. Ah, t'es parti full papillon, mais en fait. Ben non, mais j'en ai pas. Après, en fait, tous ceux que j'ai retrouvés, c'était les mêmes. J'étais beaucoup cut les papillons. C'était les mêmes. Je les enlève au fur et à mesure, comme ça se permet de suivre un peu le ouais. bail. J'ai une rodire, du coup, 10 points. Bien. Les chestnuts, j'en ai 3. Ça me fait 9. Ouais. Deux points flat. Ouais, flat. J'aurais dû les garder. Non, mais c'est pas si. Grave. Parce que t'as besoin de voir ça. Ah, la carte entière, ça compte. On s'en fout, tu les as. Non. Pas la carte entière. Ouais, donc c'est les cartes que j'ai. Ouais, en fait, ouais, garde-les comme ça, j'avoue, on peut pas. Bon, t'avais ça, t'avais le lynx, t'avais papillon. Ce papillon. Bah, j'avais les 3 papillons posés. Oui, mais ce papillon, il te donne pas de points. Yeah. Et c'est tout parce que c'était le Martin Beach que t'avais. Oui. Oui. Donc en fait, elle en avait pas mal. Ouais. Parce que ça, c'est 3 par truc orange et elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il se compte lui-même, 7, 8, 9. Oh la chef des oranges, ça fait 27 points. 3 x 9. 27. C'est pas mal, hein? Bien joué, meuf. Ok, on est bien. Ça s'est passé, 5 points flat. Ouais. Ok. Non. 1 point par arbre. Ouais, t'avais combien d'arbres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la cave.
La CAF, t'avais 2 x 11, 22, non? Eh bien, tu as 97. Pas mal pour l'instant, 104, 97. Moi, j'arrive à faire... C'est cool de voir que même si jamais... comment dire, il y en a un qui peut-être vous a surpassé, au moins, il y a cet avantage de t'as quand même fait des petits combos et... Moi, si j'arrive à faire 50 points, déjà, c'est bien. Bastien, vas-y, vas-y. On y là, va. J'ai 8. Avec ma cave. T'as 8 dans ta cave. T'as combien de trucs 3. Comme ça 3, donc tu as 9 points. On va aller enlever au fur et à mesure. J'ai 3 petits oiseaux. Alors, attends, j'ai 8 plus 9, c'est ça? Ouais, 8 plus 9. Comment ça, t'as 3 oiseaux? J'ai 3 points par oiseau, j'en ai qu'un oiseau. Ah non, j'en ai 2. Ah ouais, j'avais pas vu, je croyais que c'était tout le temps lui. J'ai 6 points. Ok. Lui, il donne 5 points flat. Ok. Ouais. Lui, il me donne 3 points par truc bleu, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, j'ai 15 points, j'avais compté, donc et c'est voilà. Bien ça. Plus 15 ? Ouais. Lui, il me donne rien, parce que j'ai pas de lézard. Lui, il me donne rien. Lui. Si t'as donné un lourd, si t'as donné. Oui, il t'a donné. Il me donne 5 parce que j'avais juste celui-là qui était full occupé. Ouais. Okay. 1 point flat. Ouais. 2 points flat. Ouais. 5 points par bière, j'ai que 5. 5 points. Ouais. Ça, j'ai le plus. Donc 6 points. À moins que vous ayez rejoué des jaunes après, non? Non, non. Et là, 1 point par arbre et plante. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 2 là, ça. Donc 7 points en plus. Et là-bas, il n'y a rien. Bah, je crois qu'on va s'arrêter. Tu as l'extrême joli score de 69, mon cher. Oh, c'est beau. C'est beau. Bon. Ah, papa. Allez. J'ai voulu faire un truc avec les bleus, mais c'est dur à faire, hein, les bleus. Je mets le plan sur off et on se dit à dans 20-25. Je veux bien que tu aies une calculatrice, Max. Alors, attends. Ok. Calculette. Puntos. Alors. On est parti. C'est parti. Moi, je vais les laisser pour le coup, mais je vais juste faire dans l'ordre. Allez, vas-y. C'est parti. 5 flat. Plus 10. Plus 10. Les European. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Ils me rapportent tous 5. Donc, ça fait 25. Ok. Ensuite, plus 10. Rien. Plus 10. J'ai déjà compté. Rien. Plus 5. J'ai deux papillons différents, plus 3. If no other forest has more lindens. C'est 1, du coup, c'est moi qui en avais. Ah oui, d'accord, donc j'ai 1. Des arbres occupés, j'en ai 1, 2, 3. Donc ça fait 5 en tout. Pardon, 15 en tout. Rien. J'ai bien une rodire qui est, je sais plus trop où, oui, là. Vous en avez plus 20. Ouf. J'ai en tout 10 arbres, je crois. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça me fait plus 10. Ça, j'ai compté. Ici, j'ai plus 2. Et là, en fait, j'ai 2 pour chaque carte en dessous d'un arbre. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 9 x 2, 18. X 2, puisque j'ai encore ça, donc plus 18 encore. J'ai bien 10 arbres dans ma forêt, donc ça me fait plus 10. Plus 1 point flat. Plus 1 point flat. Il a cassé le jeu. Plus autant, 2 fois le nombre de feuilles. J'ai 1, 2, 3. Donc ça me fait plus 6. J'ai un chestnut, ça me fait plus 1. Et j'ai encore un oak, ça me fait plus 10. Il a cassé le jeu. Son score est de... 191. 191. Ouais, pas mal, c'est un bon jeu. Ça m'a plu. Il a cassé le jeu. Hein. Bon, après, j'ai envie de te dire, franchement, heureusement. Parce oui, que bah, oui, oui, si tu fais des combos de porc, qu'en plus tu mets 1000 ans à réfléchir et qu'à la fin rien. On t'écrase la gueule, bon, ah, ça m'aurait énervé. Ça serait chiant, c'est déjà ça. Donc là, au moins, voilà, ce qui est bien, c'est que nous, on joue avec notre caca comme des gens normaux. Et lui, il vous montre comment on peut exploiter le jeu jusqu'au alors, bout. C'est pour ça que cette émission est intéressante. On est complémentaires. Pour information, ça fait 2 fois que j'ai la. Merci, grand patin. Ça fait 2 fois que j'ai la maule, là, la petite taupe. Ça fait 2 fois que t'as la gaule, d'accord. Là, ouais. Et le principe de dire, tu builds ta main. Parce qu'au début, j'étais vraiment loin derrière. Mais en fait, je build ma main, j'ai eu la taupe assez vite. Et à un moment donné, je vais faire un big turn, donc j'ai posé les champignons exprès. Bah, ça a bien fonctionné. Et ouais, après, attention. La taupe, elle est forte. La taupe est forte. Tu t'es fait mollet. Attention à peut-être... tu vois, après, je l'ai fait un fort, temps si où je me suis dit... Si t'as beaucoup de zéro dans ta main. Hein, ouais, bah évidemment, après, j'ai... Il y avait des trucs à zéro et voilà. Attention au rythme du jeu parce qu'en vrai, si jamais un gars voit que tu commences à stacker les cartes en main, peut-être qu'il peut commencer à. Ah, mais tu peux pas stacker tant que ça, t'as que 10 cartes.
10, ça va vite. Hein. Bref, voilà. Les amis, c'était Forêt Mixte. Et en vrai, voilà, franchement, le jeu, c'est... Je trouve ça assez cool. Voilà, le jeu, c'est un paquet de cartes. Et voilà, c'est rangé. Ah, c'est pile. Donc ça, c'est cool parce que, bah, en vrai, tu prends une... Il y a combien de cartes ? Il y a un peu quand même. Donc, oh, ouais. Ça rentre dans une grosse deckbox. Ouais, tu vois. Une petite 200 plus plateau, de génique, bah, avec, par exemple. Avec Slivé. Avec le plateau. Ah, c'est avec le plateau. Après, vous, comme vous avez vu, on n'a pas du tout besoin du plateau. T'as pas besoin si de plateau. Le plateau, ce qui est plateau, bien, c'est qu'il te, donc, il te rappelle que quand tu joues un arbre, il faut griller une carte. Exactement. Mais bon. Ouais. Et voilà, des règles qui tiennent en 8 pages. Des cartes. Et, bah, juste, ça avait été format standard, ça aurait été parfait. Ouais, mais format standard. Non. Pour le coup, je comprends. Mais gros, une carte format standard, c'est pas beaucoup plus. Je suis d'accord, mais ah, quand même, sur ton plateau de jeu, ça serait étalé un peu, je crois. Mais il a choisi, comme si on n'avait pas assez de cartes format standard autour de nous. On n'est pas loin du tout. Hein. C'est des cartes format poker, en fait. Ah putain, c'est franchement, mets des trucs sur le côté, ils ont voulu... Allez. Attends, vous voyez pas. Ils ont voulu faire les malins. Non, mais ils se sont peut-être dit, le format poker, c'est le truc le plus standard. Sauf qu'en vrai, pour sliver vos cartes, et là, c'est vraiment un jeu que tu as envie de sliver parce que... Bah, tu les manipules beaucoup, tellement, ouais. Enfin, c'est un jeu de cartes, donc... Tu les manipules et tu les... Voilà. Non, je te donne raison, ça donne envie de leur casser la gueule. Bah, finalement. C'est dommage, hein. Seul défaut du jeu, c'est quand même... Et moi, j'adore ça, leur casser la gueule. T'aimes bien tout ce qui est baston. Ouais. Eh ben, ça tombe bien, puisqu'on va passer sur un autre jeu. Exact, dans quelques instants. Mais avant ça, histoire que ce soit propre pour YouTube, ouais. tout ça, on va vous mettre un jingle de fin, il va y avoir un écran d'attente de genre une minute, et hop, on va revenir en changement de jeu. Bref, laissez-nous changer le plateau, et on va partir sur autre chose. En tout cas, là, c'était Forêt Mixte. Là, j'ai pas la boîte, parce que, bah, évidemment, on n'avait pas la boîte avec nous, parce qu'on avait la version anglaise, etc. Mais sachez que vous pouvez le précommander, il sort dans... Quelques jours. Deux jours. Voilà, vraiment, il arrive là. Hop, je vous montre rapidement. Pardon, je fais des bêtises. Oh, ai-je fermé la fenêtre ? Non. Pourquoi ça marche ? Voilà. Je vous montre rapidement, Forêt Mixte, 26 balles chez Play-In. Voilà, allez vous régaler. Il y en a encore en stock si vous voulez le recevoir ou aller le chercher directement en magasin. Le code, c'est dimanche pour avoir moins 10%. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez évidemment retrouver Rof sur sa chaîne. Notamment le samedi soir. Ouais. Il va se passer plein de choses. Il faut être adulte, par contre. Voilà, il faut être adulte, sinon ça ne fonctionne pas. Nous, plein de choses à venir sur cette chaîne. Franchement, là, le mois d'octobre, suivez sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, sur Twitch, parce que on va bourrer très, très fort. En fait, c'est simple, c'est la fin d'année. Les éditeurs, ils sortent tous leurs jeux pour Noël. Et nous, on est là pour vous montrer tous ces jeux, pour que vous sachiez quoi acheter à Noël. Donc, on va vous les montrer en masse. Si vous aimez bien les jeux de société, vous êtes bien servi. Je crois que c'est à peu près 3 jeux par semaine. Ouais. Sachez aussi qu'il reste 3 jours. Oula. Alors, si vous nous regardez sur YouTube, c'est peut-être trop tard. Mais il ne reste plus que 3 jours pour acheter un hoodie LJD One. La campagne de précommande est quasiment terminée. On est presque à 400 hoodies vendus. Non, ça... C'est trop bien. On a dépassé les 600% d'objectifs. C'est merveilleux. Et derrière ça, la page Tipeee LJD Plus. Sachez que la vidéo de The Witcher est déjà disponible. C'était le vote que vous aviez fait pour le mois de septembre. Et que le vote pour le mois d'octobre est disponible aussi. Vous avez le choix entre... que je dise pas de bêtises, Ibris. Vas-y. Pardon. Je vais sur X. Vous avez le choix entre Ibris, Twitter. Radlands, Imperial Steam, ainsi que Time of Empires. Oh bah il est bon, t'étais plus rapide que moi. Parce qu'en fait, j'ai regardé mes DM. Donc là, vous les avez tous. Et encore une fois, hein, que des bons jeux. La question, c'est lequel avez-vous le plus envie de voir ? Celui qui gagne sera présenté au mois d'octobre. Celui. Et en exclusivité aux abonnés LJD+, et plus tard sur la chaîne YouTube. Celui qui finit deuxième reviendra probablement pour le mois de décembre, et les deux autres, malheureusement, ça ne veut pas dire qu'ils reviendront jamais, mais ils vont attendre un petit peu. Ouais. Je crois que vous savez tout. Ceux qui sont en live, à tout de suite. On peut vous le dire. Hein. Ceux qui, c'est sûr, oui, on peut. Moi, je vois ça. On va jouer à Heredity. Ouais, non, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Parce que c'est bien. De toute façon, on fait de la pub pour les autres jeux après. Ok. D'accord. Moi, c'est ok. Bon, à ceux qui sont en live, restez, on va jouer à Heredity, un jeu coop. Mais franchement, Forêt Mixte, il était exceptionnel. Bisous, à tout de suite. Ciao. Au revoir.